Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Entre-jeux. Aujourd'hui, on va faire un petit Codenames avec tout ce beau monde. Comment vous allez tous? Salut, ça Bien, va? bonsoir. Salut, salut. Ça va, ça va. Salut. Alors, Salut tout le nous monde. avons Kyoshiro, Marc-Andrea, autrement appelé Marco, Mathieu, Pénélope et Vincent. J'espère que vous êtes motivés et que vous avez bien retenu l'explication de règles qui a été succincte mais efficace. On Ça écoute doit le impatient. faire. Ce qui compte, Et c'est les donc. valeurs. Les valeurs. Ouais, Scooby 1, Scooby 2, oubliez pas. Mais donc voilà, on est prêt pour faire un petit Codenames tous ensemble. On va réexpliquer les règles rapidement pour le chat, mais on fera ça juste après avoir défini les équipes et avoir lancé la partie. Comme ça, ils auront les cartes un peu affichées à l'écran, ce sera un peu plus simple, je pense. Du coup, comment est-ce qu'on fait les équipes? On reste sur celle qu'on avait faite tout à l'heure, c'était pour mon setup en fait, elle c'était plutôt pas mal. Après, on changera de toute façon. Hein. Allez, non, Ouais, juste. je sens que Allez. ça lui fait plaisir, écoute. Ouais, c'est Je aussi suis dans Karine une deuxième Mathieu. chance. C'est aussi. On va Karine Mathieu durant cette partie. Allez, et ben Moi, je vais retournons pareil. Est-ce que de votre côté, écouter. l'équipe bleue, vous voulez changer peut-être d'espion? Vous voulez garder Marco en tant qu'espion, vu qu'il avait fait un super bon taf. Comme vous voulez, les gars. Parce qu'il faut dire les choses pour que les gens comprennent. On a fait une petite partie avant parce que Marco et moi, ça faisait longtemps. Enfin, moi, j'y avais pas joué depuis un long moment. Marco n'y avait pas joué, donc on a fait une petite partie de chauffe et j'ai fait clairement de la merde. Donc voilà, c'est pour ça que Keta et Pénélope qui étaient avec moi. Ouais, off. La merde, je dirais pas jusqu'à là, c'était pas Dire, GG au quoi, on bout va d'un dire. moment, t'as Vous pu êtes faire un pas x6 connectés en parce qu'en face, il n'y avait plus que deux mots avec un x5 qu'ils ont réussi. Donc, fait. pas trop le choix de pas faire autre chose en fait. Bah vas-y, on Après, repart on sur le était même connecté game. avec notre espion. Et Bon, bon, allez, ok. on Faire repart mieux sur le même qu'un game, mot à la fois. On sait que Marco espion. Donc, je vais. Alors, il manque juste que Kyoshiro, c'est ça, arrive dans l'équipe bleue. Parfait. Et on va pouvoir lancer la partie. Avec les bleus qui recommencent en premier encore une fois. Vous aurez remarqué d'ailleurs que l'équipe qui commence a un mot en plus. Donc, pour le chat et pour ceux qui nous regardent en ligne, comment ça fonctionne Codenames? Le principe est très simple. Chaque équipe doit faire deviner un certain nombre de mots à son équipe. Grosso modo, en l'occurrence, Mathieu va devoir faire deviner 8 mots, vous voyez, c'est le chiffre qui, à l'équipe rouge, donc Pénélope et moi. Et Marco, lui, dans l'équipe bleue, va devoir faire deviner 9 mots à Vincent et Kyoshiro. Comment vont-ils faire ça? Eh bien, un tour de rôle, ce qui va se passer, c'est que chaque espion va donner un mot à son équipe, ainsi qu'un chiffre. Ce chiffre indique le nombre de mots le mot au milieu de l'écran auquel son indice est relié. Je vais encore mettre 3 ans à trouver un exemple facile. Ouais, évidemment, ça va être compliqué. Est-ce que vous avez un exemple bête? Ah bah, par exemple, je sais pas si je dis ciel. Ou peut-être nuit, ou je sais pas, ou étoile filante, il y a deux mots, ça marche pas. Mais imaginons qu'ils disent étoile filante, peut-être qu'ils vont penser à lune et vœux comme mot, et du coup, ça pourrait créer des liens comme ça. Grosso modo, il faut donner un indice, donner le nombre de mots auxquels il peut être lié, et le reste de l'équipe va devoir trouver les mots en question. Vous le voyez sur l'écran normalement, sachez que nous, on n'a pas les couleurs, mais vous avez les couleurs qui vous Chez permettent de vous, vous avez savoir. les indices. Exactement. La carte L'indice, est cool chez qui vous. monte. Hein. C'est une question Mais pour un vous, champion au normalement, final? vu que Mathieu qui stream, vu que Mathieu qui stream est justement un espion, vous voyez les couleurs pour chacun des mots, donc vous savez quelle couleur appartient à quelle Ouais. équipe. Sachez que le reste des joueurs, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui rend le jeu très rigolo. Donc, Et ouais, oui, exactement, le voilà. chat, vous ne devez rien dire, on compte sur vous pour ne pas spoiler afin qu'on ait la partie qui se passe correctement. Non, mais envoyez-moi des messages privés pour m'aider si vous voyez que je suis en galère, parce que là, je suis clairement en galère, je le sens déjà, donc. Mathieu, Donc là, c'est bon, on désenfait. peut y aller? Ça va, c'est pas toi Eh qui bien, tu peux y commence. aller justement pour Tu as me plutôt donner quoi le s'attendre? premier indice. Je peux Vas-y, donner le pour donner le premier premier indice. indice. Vas-y. Cinéma. Ah. Alors, au Sahara, il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés. Des films avec des armées, on a beaucoup aussi. Alors, t'as vu, ils sont Alors, allés les routes, directement il y a vers même James un. Non, mais regarde, il y a même un type de film qui s'appelle le road movie. Donc, la route, clairement. Moi, je Ah, mets on est All en in plein dessus. dedans. Ouais, c'est et, clair. et je veux pas dire, mais Ouais. au cinéma, on mange quoi? Des On mange du pop-corn. popcorn. Oh! Ah, Non, mais ça, ah, par contre, fallait peut-être pas le j'avoue, dire parce que ça, c'est peut-être un vrai bon indice pour les Oui, mais je les perds, coups. je les perds. Rollé, ça marche, mais quand c'est des Ouais, mots nuls. oui, mais regarde, en vrai, Yoda et Nardia et James Bond, ça marche de ouf. Ah, Sur Homer beaucoup, il a fait un Simpson. film, Homer Ouais. Simpson aussi, hein. Moi. Homer Simpson Ah, il y aussi. a eu Il y en a d'autres. Cycle, un Mais après, les cycle. gars, Ouais. De les gars, films. Marco, Voilà. Marco, J'en ai mis Marco, que trois. Ouais, ils ont cycle Marco. 1, cycle 2. Tu te Oh, mais dans tais. ce cas-là, on peut aller en Ouais, Angleterre aussi, vu qu'Harry Potter se je déroule en propose Angleterre, tu vois. complètement déjà par James Ouais, Bond. bien sûr. Moi, Bien sûr. t'en penses quoi? De quoi? Excuse-moi. Laissons un peu parler. Alors, juste on précise, tout le monde voit tous les mots,
mais personne ne voit les couleurs. Il y a donc, que Mathieu voilà. et Marco, les espions. Voilà. Moi, je suis l'équipe rouge, donc il faut que je fasse deviner les mots rouges. Tandis que Marco est équipe bleue, il faut qu'il fasse deviner les mots bleus. Le mot noir que vous voyez, sur la, c'est celui qui est. Si on tape sur le mot noir, ils ont perdu. Il s'est passé quoi Alors, vous voyez, ils ont choisi des mots. Et si on tape sur un mot blanc aussi. Bleu, mais Yoda n'étant pas un mot bleu, ça stoppe leur tour. C'est ça. Ils ont bien commencé. C'est une game qui est lancée. C'est une game équilibrée. Pas comme dimanche. Vas-y, mais ta gueule, putain. Pas comme le Fantastic 5. Oh putain. Allez. Je suis désolé, Mathieu, mais elle était trop facile, celle-là. Ok, alors. Japon 2. Ah, est-ce qu'il y a hémoglobine? Private joke, la part Suisse, ça va bien avec le Japon. Voilà, avec le pays, tout ça. Bah, attention, oui, effectivement, Suisse, Angleterre, c'est des pays, mais bon. Zelda, c'est vrai que les pays, ça pourrait compter complètement. Ah, bah, Zelda, s'il n'y a pas Japon, là, moi, je me. Tu te harakiri? On reste dans le thème? Ouais, un peu, ouais. Après, c'est plus. Le problème, c'est qu'il n'y a rien d'autre, j'avoue. Mais après, ça va être Angleterre ou Suisse. Ça dépend. Est-ce alors, attention, l'Angleterre, c'est une île. L'Angleterre, c'est une île. Comme le Japon. La Suisse, ouais, non. Mais est-ce que Mathieu connaît bien sa géographie? Parce que c'est le soleil qui est un peu à côté. Hein, c'est pas vraiment Japon. Et vu que c'est le pays du soleil levant. Bon, en vrai, je pense qu'on peut déjà mettre Sangoku de manière. Il y a des forêts voilà, au Japon. Sangoku aussi. Et Zelda, pour moi, c'est sûr. À moins qu'il soit complètement. Moi, Zelda, franchement, je suis pas sûr. Moi, quand on me dit Japon, je pense pas à Zelda. Je sais que c'est un jeu japonais, mais. T'es fou! Là, t'es fou! Non, c'est nous qui nous entendons aussi bien, c'est la première partie. J'assume cette décision, je clique! Vas-y, et voilà! Merci! Je n'ai pas du tout pensé à Link, à Zelda, quand j'ai mis Japon en fait. Ah pas oui, du mais tout. Moi non plus, je pense pas à Japon! Merci, Pénélope! Oh là 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 là! Allez, Pénélope, t'étais au cinéma, t'étais sûr? Oh, c'est une belle version que t'as là, mon ami. C'est une belle version. Pour défendre Pénélope, voilà. Oh. Non, mais à ce compte-là, dès qu'on est au Japon, on pense à tous les jeux vidéo quasiment parce que les trois quarts ont été créés ouais, avec. Ah ouais, mais c'est pour ça. Voilà. Tu penses aux jeux vidéo japonais. Ça, c'est un jeu vidéo japonais. C'est l'essence du Japon. On est dans. Mais j'avoue, j'aurais pas mis ça non plus. J'aurais pas mis Zelda pour Japon, mais c'est vrai que c'est un jeu japonais. C'est un jeu japonais, mais ouais, moi, c'est pas le lien que j'aurais fait. Mais en même temps, si le lien, c'était le pays compliqué. En vrai, je sais pas. Mais bon, bah alors, du coup, il faut que je réfléchisse. Un mot, mais on leur a donné un mot. Qu'en pense le chat? Est-ce que le chat a réagi à ça? Par exemple. Alors, on m'a dit que j'étais mauvais. Trop, mais... Voilà. Ah. Parce qu'en fait... Ouais, dit... Il ne fait pas de retour. Voilà. Mais non, mais c'est pas toi qui es mauvais, c'est nous qui ne pas subir ton mot. Moi, je pense que Mathieu était excellent. Merci Kyo. Kyo qui ne voit pas les mots, je rappelle. Moi je vois juste. Alors on rappelle au chat, nous on lit le chat, donc ne dites pas d'indice dans le chat. Hein, au cas où. Moi je le lis pas. Mathieu commence déjà plein de ces mots. Ah, c'est mieux si on lit pas le chat pour que Mathieu puisse interagir avec le chat. Ouais, c'est vrai. Ah ok, c'est dommage. Donc ça après le chat, tu peux participer, je peux aider à trouver des mots avec. Je récris mon chat. Enfin en fait comme tu veux. Marco a donné l'indice grain 3. Grain. Oh, dans le cirque, on donne du grain aux animaux. La moutarde, il y a des grains. Tu sais, je me suis dit la même chose. Ah, mais non, mais ça, c'est un ouais, ça, oui. En vrai, si, vraiment. Ah, merde. Ah, mais bien sûr, les grains de sable. En disant ça. Dans le Sahara, il y a plein de grains de sable. Hein. Il y a les grains de maïs pour le popcorn. On y revient. Mais alors, moi, c'est lui que arrête, je pense qu'il y a un vrai. C'était sur l'attaque, je pensais aussi. Moi, c'est popcorn que je ne vous ai pas dit. Les pires, en fait, on est les pires. Non, mais en fait, tu vas être dans mon équipe, Pénélope. Ouais, en fait, c'est ça. On va arrêter de troller parce qu'on leur donne trop de bons trucs. Bah, moi, il y a poudre ouais, qui me tente bien, mais bon. Je sais pas, apparemment je vois que Zelda c'est japonais et ça colle pas. Donc... Ah ça colle pas, c'est que c'est pas le lien que j'aurais mis. Alors, déjà, Vincent, on valide moutarde? Ouais, on valide moutarde. Bravo, hein, bravo. J'aurais dû me taire, je suis désolé. Bravo pour la moutarde. Alors dis pas bravo parce qu'en fait, même si on trouve un mot et que c'est pas celui auquel t'avais pensé, faut pas qu'on le sache en fait. Faut que vraiment tu te taises en fait. Oui, parce que ça pourrait être. Ils ont pris un mot qui avait rien à voir et tu n'y avais pas pensé. Comme la je me taise.
Tu peux les féliciter, mais pas dire que c'était un de tes trois mots, en fait, grosso modo. Ok. Popcorn ou... mais c'est pas bien grave. Quand même, mais... Dans les lustres, des fois, il y a plein de petits grains dessus pour faire joli. Ouais, ça va, ça va. Je vais expliquer, Une remise, c'est un endroit où on garde le grain. C'est vrai. Une remise. Et des fois, on parle du grain de la route pour savoir si c'est lisse ou pas lisse. En tout cas, vous avez un sacré grain. Je sais sur la date de quelqu'un qui a un grain depuis tout à l'heure, mais vu que Zelda n'est plus là... Et dans grain et gare, il y a beaucoup de lettres en commun. Ah, c'est vrai. Tu vois, c'est... Parce qu'on a le droit de faire ça aussi. Tu enlèves le i et le n et que tu rajoutes un e. Bien sûr, bien sûr, tu y es. On est les deux à être sur la On est des merdes. Alors, la carte noire, je le répète pour le chat, c'est le mot surtout à ce qu'il ne faut pas qu'il clique dessus. Voilà. Pour cinéma, moi je validerais bien Narnia. T'en penses quoi? Donc là, oui. Pour le chat, vu que précédemment, ils ont eu un indice sur lequel ils n'ont pas trouvé tous les mots. Maintenant, si jamais ils trouvent tous les mots comme ils viennent de le faire leurs trois mots, ils ont le droit d'essayer un mot supplémentaire pour essayer de rattraper leur erreur précédente. Donc là, c'est en train de réfléchir. Est-ce qu'ils arrêtent? Oui, oui, je t'ai dit oui pour Narnia. Ouais, ouais. Bon, allez, je clique Narnia. Perdu. Alors, bon, l'indice cinéma où il n'y a pas Narnia, j'avoue, c'est dur. C'était quoi l'autre déjà qui était pas dedans aussi, du coup? C'était Yoda. Yoda. Oui, c'était Yoda. Moi je leur dirais. Pas Yoda ni Narnia. Ah, je pense qu'il y avait Popcorn. Okay, ils sont toujours devant nous. Voyage. Ah bah il n'y a plus Japon. Ah non, c'est une merde de la poste. Bon, voyage, ouais, plutôt d'accord sur les pays. Bon, c'est des voyages de merde un peu. Le voyage en Suisse, c'est un peu un voyage. Ah, voyage, la route, il y a quand même un lien par contre, je crois. Ouais, t'as raison. T'as raison. La gare la aussi. La route, c'est même plus. La gare, bien sûr. Voyage. Non, mais j'enlève la Suisse. En vrai, je pense que je vais enlever les pays. Moi aussi. Voyage. On resterait sur Sahara, route, gare. Avec le Covid, le voyage, c'est un truc qui a eu lieu il y a des lustres, non? Joli. C'est le saut 2019. Mal. Ouais, il y a des lustres. Alors, blague à part, non, ça je connais des gens qui font encore des voyages actuellement. Ça me semble pas mal, mais je ne suis plus sûr de rien. Est-ce que faire des voyages, c'est pas un peu le vœu de tout le monde en 2021? En vrai, un truc qui est important à faire dans le jeu, c'est de dire les mots à voix haute, parce que des fois, il y a des liens qu'on ne voit pas. Armée, voyage. Ouais. Les mots aussi. Homer Simpson, voyage. Le cirque, voyage. Non, mais attends, on va s'éloigner, là. On va se faire douter. Route et gare, c'est sûr. Mais du coup, le premier pas de l'homme sur la Lune, c'est un voyage pour y aller aussi. La Lune, c'est un voyage. J'ai hésité entre Sahara et Lune, pour être tout à fait honnête. Non, Sahara, ça me paraît bien, mais je pense qu'on peut déjà partir au moins gare. Alors, dans le chat, on dit l'équipe rouge part ouf. Hein. Alors, si jamais ma voyage et qu'il n'y a pas gare dedans, je suis désolé, c'est sa faute. Franchement, vas-y. Mon noir, on va être au bout de notre vie, mais on pourra dire c'est la faute. Mais tu peux pas mettre voyage et pas gare, c'est. On prend gare. Allez, je clique sans crier gare. Vas-y. Ok. Maintenant route, je suis plutôt d'accord aussi. Bien sûr, c'est un road trip. On prend la route. Bien sûr. On prend la route, j'ai entendu rigoler du nez avant de cliquer dessus et j'ai cliqué, je me suis dit oh, quelle erreur. T'es mauvais, bon, Mathieu. Non, je te le dis parce que regarde, il se met comme ça, il fait merde, j'ai pas pensé à la route. Je ne dirai rien. Ouais, ça se trouve, en vrai, il y avait les pays, et dès le moment, on a fait ouais, viens, on enlève les pays. Ouais, et là, il était là en mode oh non, parce que le Japon, c'était déjà un pays. Et en fait, surtout qu'il vous a dit ah bah merde. Mais t'as Sahara et route, et tu choisis route en premier quand même. Bah ouais. Génie. Bah, alors, c'est personnel, mais moi, mes voyages, j'ai beaucoup fait. Un voyage, c'est d'abord prendre la route. En fait. Génie. Je suis d'accord. Ouais. Et après, c'est personnel. J'ai pris de l'avion dans ma vie, mais moins que j'ai pris la route. Est-ce que Marco confond les lustres et les lampes à huile? Moi, je dis plus rien parce que tout à l'heure, on a fait corrigé. Que de la merde quand on a tout dit l'envoi là. Donc maintenant, je me tais.
Moi, je t'ai mis Sahara parce que dans Aladdin, la lampe, elle est retrouvée dans un désert. Ah ouais, je suis d'accord, mais ça va très bien avec le voyage aussi. Ça m'embête un peu. Ah ça, on est d'accord. Une chose qui est importante, c'est que des fois, il y a des mots que tu penses qui sont bons pour l'équipe adverse et du coup, tu te dis, bah, c'est peut-être pas le mien. Et puis, des fois, tu te plains. Ah ouais. Non, mais c'est surtout que tu te dis, même s'il est à nous, au pire, on vous laisse cliquer pour nous et... Ouais, mais c'est. Denis vient d'une lampe à huile et la lampe à huile ça fait du feu donc barbecue ça colle. T'as pas à avoir prince aussi. Pareil sur Aladdin. On est tous dans notre équipe là. Y'a plus personne, plus un bruit, on fait plus rien. On a trop peur de marcher sur une mine, c'est un peu. En fait, ce qui me fait rire, c'est que quand c'est Marco qui met le mot, vous êtes tous les deux, vous êtes chaud de ouf dans mon équipe. C'est là, vous donnez limite presque tout. Et moi, quand c'est moi, vous tombez tout le temps à côté. Je me dis, c'est pas possible. Non, mais tu peux pas. Alors, je tiens à dire pour le chat, tout à l'heure, il a dit nature. Il y avait le mot terre. Et il ne l'avait pas pris en compte. D'accord pour Prince, du coup. Ouais. Je sais pas, c'est comme... Bon. Pour ma défense, moi je troll sur les mots, mais en fait je trouve des bons trucs, donc c'est un peu le problème. Ok, Prince n'était pas bon pour eux. On a encore une chance. On n'est pas mort. Allez, Mathieu, donne tout. 6. Même si on gagne pas, faut vraiment qu'on réduise le compte de mots, parce que s'ils nous mettent 6-0, on va vraiment l'avoir mauvaise. Hein. Oh, ah bah voilà. C'est clair là, comme ça. Je me permets de cliquer. Putain. Hein, vous m'en rendez fou. C'était pas sûr. Attention, un barbecue coréen, tout ça. Oh le pauvre, les deux fois on y a pensé, les deux fois on a fait. Non. Oh, vous m'avez rendu fou. Ah, il a peut-être lu France à la place de farce, hein, attention. Non mais Homer Simpson, Springfield, États-Unis. États-Unis pays. Vrai. Donc on clique pas sur le Sahara? T'es pas convaincu. Tu peux le faire avec n'importe quel. Et la lune, il y a des drapeaux de pays qui ont la lune dessus, donc. Non, enfin, pareil. Hein. Non mais Sahara, j'hésite encore en fait. Je veux regarder un peu tout d'abord pour voir s'il n'y a pas un truc random qu'on aurait raté. Oh quand même. Remarque, je sais plus. Je suis plus sûr. Pays armé. Non mais en fait Sahara, je sais pas. Oui, ça colle avec voyage, tu me diras aussi. Mais moi, on me dit pays Sahara, c'est pas un putain de pays, c'est un désert. C'est pas... mais un mot qui relie des trucs, t'as forcément les premiers choix puis d'aller. Que ça colle à peu près au troisième. C'est pas considéré par certains, mais parce que ça veut dire désert, mais parce que armée, c'est lié au pays, tu vois. Je pense pas que c'est ça, mais il y a quand même un lien potentiel. Mais le reste, je dois avouer que je trouve pas d'autre chose. C'est quand même une région, c'est comme un territoire, tu vois ce que je veux dire. C'est, non, on mais je suis d'accord. En fait, il aurait dû mettre territoire, on est d'accord. Localisation. T'as bien un pays qui s'appelle. Je pense considéré. Que c'est Sahara. Je vais finir par cliquer dessus. Ah, moi, je veux aussi. Je préfère en plus, Sahara ça marche que avec armée. Voyage. Je préfère Sahara que armée, mais armée est un potentiel à mes yeux. Mais je préfère Sahara que armée. Moi aussi. Coup, pour moi, vas-y. Armée marche. Je vais cliquer sur Sahara. Comme ça, je prends pas la responsabilité. Voilà. Ah. Et là, on peut en prendre un de plus. Hein. Mais le problème, c'est que tous ceux qui nous a fait deviner jusqu'à maintenant, ils venaient des mêmes thèmes. C'est ça, tu crois qu'il aurait pensé à faire un truc Avec le premier Japon. Non, les premiers Japon, on est d'accord que c'était le truc qu'on a trié au tout début, c'était quoi Non, on n'a pas trié. Et après, c'était les pays à tous les coups. Ah, oui. Japon, non, alors, vrai, oui. Oui, d'accord. Oui, et d'accord. Voyage, c'était garer les pays. Donc pour moi, en fait, on ne peut pas deviner un autre mot parce qu'il a... Il a toujours essayé de nous faire deviner Angleterre et. On l'attend au pif. Non, je rigole. Allez, à votre tour. Au pif, là, il y a 3 mots sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 10. Non, on est mort. On est mort. Une sur 3 d'avoir un bon mot. Une sur 10 de. Enfin, une sur 3 aussi de leur donner un point, ce qui nous achève. Et une sur 10 de perdre la partie immédiatement. Donc. À 3 mots, on a encore une chance. Oh là là. Vous devriez en tenter un. Moi, je suis d'accord qu'on a encore une chance. Moi, je propose qu'on a encore une chance. Vous n'êtes pas joueur. Moi, on arrête, on arrête. On n'est pas joueur, en effet, mais venons de vous, ça me Ok, ça, c'était pas trop clair. Ouais, c'est vrai que le message n'est pas super fou. Je suis pas sûr, là, Homer Simpson. Hein. attends, réfléchissons. Ah oui. Ouais, par contre, si on peut imaginer les mots un par un, on a encore une chance. Parce que Bart, il fait des farces, hein, quand même. C'est vrai. Ah putain, il a fait en un mot. Ouais, il a fait en un mot.
Ouais, encore une chance. J'ai fait en un mot. Il devait être coincé. Il devait y avoir un truc. Ah, mais je pense qu'on a une chance. Si Mathieu nous sort un deux mots derrière les fagots et qu'on part pas à 36 000 km. Après, vous pouvez essayer de trouver un mot avec les indices précédents. Ouais, mais c'est ce que je cherche pour génie. Tu sais le film où c'était. Tu sais où le film où c'était ni Narnia. Bah, c'était peut-être Homer Simpson pour lui, cinéma. Mais par contre, c'est génie. On en a un. Enfin, qui manque un. On aurait dû laisser Sahara en fait. Il l'aurait pris. Je crois que je l'ai, moi, génie. Sahara, non. Mais génie, j'hésite. Ah, je pense pas l'avoir. N'hésite pas. Fais ce choix. Ah, si, je pense, moi, je pense que je l'ai. Ouais, je pense que je l'ai aussi. C'est... Je vais me taire. Ça vaut mieux. En fait, j'ai envie de faire un troll, mais j'ose pas. On sait jamais, donc. Ouais. On passe. On passe. Ah, fallait tenter, les gars. De toute façon, là, il y a une chance qu'il le fasse pas en 3, donc c'est bon. Non mais franchement Mathieu, vas-y mollo, s'il a fait un bon en 1, normalement c'est qu'on a le temps, voilà, en 2. Ah c'est, de... manger. C'est dommage. C'est, ah merde, du coup ça m'emmerde. Bon, barbecue on est d'accord. Mais ouais, alors j'ai une question pour toi, Phare, c'était pas leur mot? Non. Ah moi sur Genie j'aurais mis la Phare parce que c'est des blagues etc. Genie d'Aladar donc... Non, je l'ai moi leur mot. Alors moi j'aurais c'est plus parti sur Cirque pour Genie mais... Je dis rien. Mais vraiment, je dis rien. Mais je pense que je l'ai. Bon, barbecue, on est d'accord. Barbecue et farce. On mange pas le reste. Bon, déjà, barbecue. On fait dans l'ordre du plus sûr. Parce que farce, ouais, mais je trouve rien d'autre. En vrai, y a rien d'autre. Dans une remise, il y a de la bouffe des fois, mais c'est vraiment. Bah moi, si je vois farce et barbecue, je me dis que le mot que je peux faire en lien, c'est manger. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Ça allez, marche. Go farce. Yes. Ouais. Bien joué Mathieu. Bien joué. Ouais, il fait un deux mots et on le bloque parce que deux mots il avait pas envie apparemment. Je l'attends en quoi en 3? Ah ouais, parce que là en 2 ils sont chauds. Sinon, attends, on n'a pas fini notre tour, on peut encore deviner un mot. Je sais quel est le leur. Je sais quel est le leur déjà. Mais je peux pas le montrer. On a quand même éliminé genre la. Statistiquement, c'est vraiment nul, faut pas qu'on le fasse. Ah, normalement, statistiquement, il gagne là. Les deux tiers des blancs, même en fait. Non, il gagne pas forcément. Si jamais il a fait forcément, ça veut dire qu'il a du mal à trouver des liens. Sinon, il aurait fait le deux mots en premier. Il a rusé. Moi, je pense qu'il avait un mot gênant. Homer Simpson, il y avait un truc qui collait avec le mot noir. Je sais pas, à voir. Moi, je pense que quelqu'un qui fait des mots 1, c'est qu'il est bloqué et qu'il veut faire que des mots 1 derrière. Et là, en fait, à mes yeux, on va le forcer à faire un mot 2. Non, mais je te suis. Peut-être le forcer à arrêter des trucs. Tu veux vraiment qu'on tente un mot du pif là? Non. Ouais, donc voilà. Moi, c'est ça en fait. Là, je repasse le tour. Moi, en fait, le truc, c'est là, on a perdu. Si jamais on le force à faire un deux mots, parce qu'un mot, nous, c'est sûr qu'on trouve. Normalement. Oui. Avec Mathieu en espion. Eh oh. Eh oh. Je te permets pas, toi. Enfoiré là, putain. Donc là, regarde, là il met du temps, là il a pas son deux mots, là il est en train d'essayer de trouver un lien entre deux trucs. C'est vrai que c'est bizarre, c'est vrai que normalement il aurait déjà dû dégainer. Et putain, mais c'est bon, je l'ai son mot. Moi je l'ai. Le génie, je l'ai. Bah c'est ces deux-là. Hein. Ouais. Donc c'était bien le lustre à la place de la lampe, il confond bien les deux. J'ai besoin de quelque chose, pourquoi le lustre pour lavage? Mais parce que tu lustres en frottant la lampe du génie. Ah, et bien joué. L'armée, ouais. J'avais raison. Et franchement, pour info, je sais très bien que la lampe du génie, c'est une lampe, mais un lustre, c'est aussi une lampe, mon ami. Oui, mais alors la lampe du génie, c'est une lampe, c'est une lampe à huile, ça pas du tout même. Oui, mais tu fais le lien, tu te dis. C'est un rapprochement entre les deux, en fait. Lampe, ça fait de la lumière. Kétal, tu m'as rendu fou quand tu m'as dit armée, je me suis dit, mais oui, vas-y, putain, vas-y, clique sur armée. Ah oui, mais on avait Sarah à côté et Sarah, on avait d'autres matchs. Ouais, c'est vrai, l'armée, je trouvais ça logique. En vrai, c'est juste que tu as payé, tu aurais pu mettre 4 du coup. Alors oui, mais alors j'ai hésité. En vrai, j'ai hésité. Mais en fait, à la base, quand je disais voyage. Ouais, d'accord. Non, mais
route, putain, voyage, vous, même pas vous prenez Suisse-Angleterre, je me suis dit, mais après tu prends une route, c'est pas grave, mais Suisse-Angleterre, pour moi, c'était la base, quoi. Et quand je les vois partir sur route gare, je me suis dit, putain, mais les cons, quoi, c'est un déconneur. En fait, bah, à la base, il y avait les pays, mais quand on a vu qu'il y avait plein d'autres trucs à part les pays, moi, je me suis dit, bah ouais, il a pas en vrai, c'est dur, j'ai pas eu des mots super, c'est super compliqué, et pas super facile, je trouve, mais bon, c'est bien joué. Pour moi, la Suisse, c'est pas une... destination de voyage non, particulière. Mais, bah, moi non plus, même l'Angleterre ça pue la merde, il fait que pleuvoir. Non mais. Bon allez, une deuxième là. Anglophone sur le chat. Une... on s'excuse. Hein. Et puis les gars, pour cinéma, j'avais pas vu qu'il y en avait beaucoup plus. C'est un classique. Genre Narnia et tout, comme moi je les ai pas de la couleur, tu sais, des fois tu les zappes, tu vois. Alors, est-ce qu'on change les équipes? Est-ce qu'on garde les équipes mais on change des espions? Comment on s'en gagne? Moi, je pense qu'il faut, se venger. Il faut réussir à redorer le blason de Mathieu sur son propre... Je propose d'aller en espion, si ça vous va. Ouais, vas-y. Ça m'évitera de troller pendant 10 ans dans les trucs adverses. Hey, Pénélope, faut qu'on avance... Et dans l'équipe en face, qui c'est qui passe ce, espion? Ce mauvais oeil. Mais faut je pense que là, ça va aller... Ah, je pense que tu seras meilleur. Ouais, c'est possible. Plusieurs. Okay. Que Shiro, tu passes espion parce que Vincent il s'est mis directement. Apparemment, j'ai un esprit qui fait les mêmes liens que Ketal, ça devrait. Merci à Myriel pour le follow. Zelda, Japon, moi ce que je retiens c'est que je mets pas Japon dans mes mots. Hein. Alors, mais promis, je vais essayer de te. Promis. Allez, vas-y. Bah, attends, laisse-moi le temps de tout lire et. Vas-y. Moi je regarde un peu aussi. Ah putain, vous avez des mots de ouf en vrai, putain, moi tout à l'heure on avait que de la merde, quoi, la joueuse. Westeros, après, Voltaire, Docteur, Mordor, Wolverine, quoi, génial. Godzilla. Ouais, mais alors le problème, tu vois, c'est quand t'as trop de mots qui peuvent être liés les uns aux autres, c'est un bordel. C'est clair. T'es là genre, non mais je peux rien mettre. Parce donc en fait c'est nul, tu fais que des mots en 1. Non, imagine que Hollywood c'est le mot noir, et là qui dit cinéma, on est baisé, quoi. Ah, parce qu'il y a deux... C'est sûrement ça en plus. C'est une connerie comme ça. Ah oh, putain, c'est chaud quoi, c'est chaud. Et oui, du coup. Là, justement, alors, du coup, oui, on a plus les couleurs vu que je ne suis plus. Sélectionner. Alors attendez, juste je précise pour le chat, on voit plus les couleurs pour le chat, et oui, parce que là, pour le coup, c'est Ketal qui les a, les couleurs, et vu que c'est moi qui stream... Du coup, je peux remettre le chat, parce que vous pouvez plus me spoiler. C'est ça. Ah, c'est grave. C'est moi qui peux vous spoiler. Donc là, c'est un peu plus... Sinon, c'était moi qui faisais que l'espion pendant toute la soirée, vous avez vu comment c'était le niveau, je pense que c'était mieux qu'on passe la main, parce que... Juste, merci, les 42 de Jack qui a dit de l'armée d'un pays, je trouvais ça logique, merci. Mais c'est le problème de... ce jeu, c'est d'avoir... Moi, je peux pas jouer à ça avec ma copine, génie, parce qu'on n'a pas l'esprit qui pense pareil. Ah merde. C'est un jeu sur lequel on s'engueule en permanence quand on ne fait pas les mêmes liens. Et ouais, en vrai, si t'as pas l'esprit qui fait les mêmes liens, tu peines, quoi. Ça, tu peux pas y arriver. C'est compliqué. C'est un peu comme elle d'habitude. Hein. De quoi? J'ai du mal. Un 2, j'ai un 2 très facile. Ça va. J'ai un 2 très facile, mais j'arrive pas à trouver un 3 pour l'instant. Bah, part sur un 2 tranquille. Non, mais fais le 2 en tranquille. Ah, j'ai un autre 2 très facile, c'est cool. Remarque, je pense qu'on a nos chances avec Kiyoshiro en espion. Moi, je l'ai déjà vu à l'œuvre. Il a une bonne façon de penser bien à lui aussi. Bah, n'empêche que la plupart sur les 3-4 parties de l'Imperium avec nous, on est parti. Ouais, tu gagnes, mais c'est. Pas toujours. Bon. J'ai un autre qui fera sourire. Vas-y, Ketal, ouais, enchaîne. Temps, mais c'est juste que en fait, j'ai des deux mots, mais j'essaierai pas trop. Tant pis. On va partir sur un deux mots. Moi, ce que j'aime, c'est les parties avec panache. Il faut nous envoyer du. Ouais, vois, ouais, du vas-y, 5. Envoie-nous. On va bien faire du 5, mais le problème, c'est que là, non, on peut pas faire du 5. Ouais, bon, Hollywood, c'est le mot noir. Non, mais si t'as des doutes, choisis toujours le défi que, plutôt que la sûreté. Sinon, ce jeu est chiant. Allez, vas-y. Ouais, mais là, il y a vraiment genre. Vas-y, il y a vraiment pas d'autres. Vas-y, fais 2-2, on s'en fout, vas-y, fais 2. Allez, attends, je cherche. Élimine les mots chiants. Élimine les mots chiants et après on. Mais oui, c'est ça. Allez, vas-y. Si je fais ça, normalement, je suis tranquille. Si je fais ça, je suis tranquille. Ok. Ah, parce que je vérifie tout, parce que là, il y a beaucoup de mots. Il faut se rendre compte qu'au début de la partie, tu es en train de regarder tous les mots et de faire tous les liens et de voir les mots des autres et tout. Vas-y, enchaîne. Facile. Mathieu, allez. Ah, on l'entendait plus, ok. Oui, je viens de vous attendre. Vous avez pas le droit de vous planter. Ouais, jusque... Bah, tu sais quoi, je pense au même.
Je pensais au même. Voilà, je pense que si là il est. Ça, je ne sais plus. Donc je valide. Ouais, vas-y, vas-y, on valide. Ouais, vas-y. Là, ça paraît simple hein, quand même. Ouais. Miroir, moi, premier. Mis princesse. Voilà. Hop, et glace. Merci. Allez, bam. Merci. Propre. Une entrée propre. Est-ce qu'on en tente un autre? Et donc, comme je disais, on peut bien en tenter un autre, même si on n'a pas raté précédemment. Bah non, mais non, bah là, on a plus. Là, on a, allez. On a moins de chance là de tomber sur. Je passe là. Ouais, mais on a une. Il y a beaucoup de chances de leur filer un truc. Quoi. En fait, ouais, tenter un autre, tomber sur la même monde. Rater plein de trucs et que t'es loin derrière. Non, ouais. N'y allons pas pour l'instant, on est okay. Tranquille, on est sur une. Tu vois, pour moi, ça, c'est des actes désespérés. Quand ils sont à 7 et que toi, t'es à 2, t'y vas, tu vois. Tu... Ah bah, il y a Olivier qui est présent dans le chat. Salut Olivier. Allô Olivier. Olivier de chez Salut, Yellow. En fait, j'ai que des deux mots, ça me stresse. J'ai littéralement que des deux mots. Ouais. Tu vas y arriver. Oh, c'est facile ça! Oh là la chance! Oh putain! Ah ouais, c'est trop facile! Oh là là! Moi je mets tabac, planche et Godzilla quoi! C'est... Non, mais tabac! Tabac! Non, mais tabac! Sans déconner, ça roumane! Fume sans arrêt! Ben oui! C'est clair! Mais j'en mets Pikachu aussi! Fume sans arrêt! C'est pas dans le même film ça, Pikachu? Avec Bilbo le chasseur de. Chasseur de Pokémon. Bilbo le Pikachu, bien sûr. Puis Westeros aussi, Westeros, la base quoi, Westeros. Ah, Westeros, c'est l'univers de... du Seigneur des Anneaux. Ouais, oui, bah c'est ça. Hein. Ouais, ouais, Westeros. Mais non, c'est Seigneur des Anneaux, Westeros. Non, c'est Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est le sud. C'est là où il y a Sauron. Ouais, c'est au sud. Non, non, avec c'est Voldemort. Ça. Ouais, c'est ça. J'allais dire Voldemort, tu m'as ôté la blague. De la... Mais Troxy quoi. Du on coup, a... du coup, comment ça on a pas vu les mêmes films quoi t'as... Mais si on a vu les mêmes films. T'as quoi comme idée et Bilbo, il, enfin, je veux dire. Mais on comprend mieux maintenant pourquoi vous avez pas vu Pikachu quoi. Quoi. Non mais. Il va faire plein de rencontres. Excuse-moi. Déjà. Du coup, Vincent, c'est quoi T'as quoi comme idée Wolverine. Moi, j'étais. J'ai... Mais du c'était corps. Vraiment très très intéressant. Merci. J'avais rencontre et séjour, moi. Rencontre, mais tabac, rencontre tabac, et séjour tabac, ouais, rencontre et séjour. Alors, je crois que ça a été écrit... Alors, je crois que Bilbo, ça a été écrit que par Voltaire, hein, de mémoire. Non, je réponds sur le chat, mais au niveau culture et littérature, je suis pas mal, donc... Alors, rencontre, parce que, ouais, il fait des rencontres Bilbo, donc ça peut être mais ça. Mais séjour, c'était après, plus si comme le voyage, en fait. Non, mais tout le monde confond, Olivier, je te rassure. C'est toujours... c'est, tout le monde confond. C'est bien Voltaire qui a écrit Bilbo, c'est sûr. Bilbo, je me demande si c'est pas le fils. Ouais. Alors, est-ce il qu'on... était pas docteur alors... au village. Je veux dire, il avait pas la fonction de docteur. Ouais, mais... Ouais, je pense que rencontre, on peut essayer de le valider. Sans déconner, ils font aussi un marathon, en vrai. Ils font quand même tout ouais, le tour. Ouais, et alors, au début du film, il y a un concert. Ouais, il y a un concert, c'est vrai. Il y a une fête, il y a son anniversaire, il y a un concert, et tout le monde danse. Ouais, mais alors, attends, c'est Kyoshiro, hein, l'espion, donc Bilbo, c'est Bilbo le Hobbit, ou le Seigneur des Anneaux. Ah bah, ça change quoi pour toi? Bah, en ça vrai. Change que dans Bilbo le Hobbit, c'est là où il récupère l'anneau. Ouais. Et dans le Seigneur des Anneaux, là, effectivement, il y a le concert et tout, et il le transmet ah, à Frodo. Ouais. Donc, c'est vraiment deux époques différentes. Bah oui, mais d'accord, mais c'est toujours lui qui le transmet. En fait, c'est Bilbo. Non, mais en fait, si je suis ta logique, parce qu'on va faire genre que je suis dans la même équipe, mais en vrai, il le fait. C'est toujours Bilbo qui le fait dans tous les cas, que ce soit dans le Seigneur des Anneaux ou dans Bilbo. C'est Bilbo qui fait l'action au niveau du concert de rendre l'anneau. Donc en fait, s'il dit Bilbo, je pense qu'en non, vrai. Non, mais c'est pas vraiment un concert, c'est une fête. C'est une fête d'anniversaire. Ouais, mais c'est une concert de nain, quoi, en fait. Ah, c'est concert. Pas un concert. Il est pas comme ça, Bilbo. Bon, ouais, quoi. Non, mais après, il y a des samouraïs qui le défendent. Enfin, un petit peu aussi. Non, mais par contre, Hollywood, ça peut non, être sympa. Hollywood. Parce que, en fait, non, c'est un film. Non, Hollywood, c'est, docteur, fait, c'est noir. C'est un noir. Gros film. Non, c'est noir. Le Hollywood, c'est noir. Comment c'est que c'est noir? C'est noir, je te dis, c'est noir, Hollywood. Moi, je pense que c'est un gros film. C'est un gros film, et je pense que Hollywood, il peut faire partie dedans. Putain, c'est pas. Franchement, de... Donc, ah oui. Alors dans le chat on me dit le château de Gandalf c'est une licorne, mais c'est vrai, le cheval de Gandalf c'est une licorne aussi. Il y a mot licorne juste à côté. Mmh. Oui c'est ça. Oui oui oui. Tout à fait. Ouais. Mmh. Bien sûr. Licorne. Ouais c'est une licorne. Non, c'est un cheval blanc. Enfin, vraiment, il est en haut de l'écran, il dit rien depuis tout à l'heure et là. C'est pas Harry Potter.
Il a les sourcils froncés, il est là, genre, hein. C'est pas Harry Potter, hein. C'est dans Harry Potter qu'il y a une licorne. Enfin, sans déconner, dans Harry Potter, il y a Dumbledore, tu confonds. Non mais ah oui, tu proposes quoi, Vincent ? On était tous les deux sur tabac, on va pas. Allez, on va tester tabac. Ouais, c'est pas mal tabac. Ouais, c'est pas mal tabac. Bien joué les gars, bien joué. GG. Mais Westeros pour moi c'était la base, enfin, cool. Je comprends pas pourquoi il l'a pas mis mais parce que c'est Game of Thrones. Ils ont de la chance avec tabac. Demain je dois faire un aller-retour à Chartres, Mathieu. Allez, qu'est-ce que t'as je t'emmène en Westeros, c'est ça ? Ah bah si tu veux, tu peux. Du coup, vont-ils tester le mot du pif ? Ah, le mot du pif. Comment tu les emmènes sur la plateforme ? On arrête. Ouais, les gars, Pikachu. On arrête, on est d'accord. Oui, sinon, vous mettez Hollywood. Hollywood, c'est clair. Putain, Hollywood, les gars. C'est le mot noir. Non, pas Hollywood. Bon, Kétal, on t'a fait gratter du temps un petit peu là pour que tu réfléchisses. Ouais, le problème, c'est que moi, les mots en 2, j'en ai plein. Mais alors, putain, des mots en 3. Bah, reste sur du 2, on s'en fout. Ils ont fait 3, mais ils font les kékés. Ils ont fait Bilbo. Ouais, mais je regarde ce qu'il en reste. Ils vont moins rigoler quand on ouais, quand on gagnera, ouais. Ouais. Que nous, on prend le temps de la réflexion en même temps, tu vois. C'est vrai que moi, j'aurais été dans l'équipe. Mathieu aurait été dans mon équipe, je l'aurais tenté en 8 direct. Mais. Franchement, de toute façon, il clique au pif, donc. Alors, franchement, tu m'aurais mis 8, je t'aurais mis Hollywood, Westeros dessus, de base. J'aurais mis concert et marathon. Wolverine, parce que ça sonne un peu comme Westeros. Il est capable de t'associer Godzilla. En fait, je vais d'abord attendre que le jeu s'enlève et peut-être que sur la fin, je pourrais mettre des points, mais pour l'instant, c'est pas possible. Alors, attendez, les gars, si tout le monde parle en même temps, enfin, les gars, les filles, bien, excusez-moi. Ouais, y'a pas de soucis. Je disais juste qu'en fait, je vais rester sur du 2 pour essayer d'enlever les trucs chiants et peut-être qu'à la fin, je pourrais caler un 3, mais c'est pas encore possible pour l'instant. Vas-y, tranquille. Franchement, on est en mode détente. Je revérifie juste ma connerie. C'est bon. Ah oui. Non, bah, quand même. Mais je vérifie parce que ça, alors, c'est le genre de truc. Est-ce que samouraï, est-ce qu'on considère ça comme un métier ? Non, il y a serveur et il y a docteur. S'il a mis samouraï, je me flingue. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est de base, c'est sûr. Mais si on a un troisième, on peut essayer samouraï ou pas ? Mais non, parce qu'il a pas mis métier 3. Non, mais regarde, là, on les retourne. Ouais, là, un marathon, ça peut être un métier. Vas-y, mais. Le gars qui fait un marathon. Wolverine, c'est un métier. Wolverine, bien sûr que c'est un métier. Bah de ouf. Princesse aussi, c'est un métier. Ah putain, de ouf. Princesse, c'est un vrai métier. Aller sur les plans, c'est un métier. Princesse, c'est un métier de ouf. L'électricité, tu souris toutes les 5 minutes quand t'es une princesse. Vous épargnez des minutes et des minutes de blagues, on va cliquer rapidement, je pense. Allez, serveur et docteur. Ça passe. Voilà. Et on a un troisième. Est-ce qu'on le tente ou pas? Mais si, on peut. Pas mettre et princesse. On a aucun indice pour un troisième. Alors, Westeros. Au secours. Kétal, dis-lui qu'on n'a pas d'indice pour un troisième. Bon, allez, c'est bon. Je ne peux rien dire, c'est à vous de deviner. Donc, tant que vous n'avez pas lâché le truc. Oui, maintenant je peux le dire. Mathieu, ta gueule. Je rigole. Est-ce qu'on fait samouraï ? Parce que c'était presque un indice qu'il aurait si pu mettre. Si voilà, samouraï aurait été bon, j'aurais peut-être mis métier 3. Pour le coup, et voilà, j'avoue. Exactement. Métier 3. Ouais, Westeros alors. Ouais, je tente. Franchement, je tente Westeros la prochaine fois. Il est pour moi, Westeros. Laissez-le moi, il est pour moi. Je sais pas pourquoi je sens qu'il est noir. Moi, je ne dis rien. Vu que tout le monde l'évite savamment, tu vois, dans les mots, il y a personne qui. Ah, c'est vrai. C'est chaud. Oh, table 2. Ils sont mal hein, quand même, hein, parce qu'ils font pas des gros. Ouais, ils laissent. Des gros chiffres. Bah, j'ai fait 3 le coup d'avant, là j'hésitais aussi à faire 3 ou 4. Tu vois. Oh, mais ils jouent la sécurité. Ouais, Pikachu aussi. Il est plat, c'est table. Enfin, je sais pas. Ou un séjour. Après, ça peut être séjour. Ouais, séjour. Moi, hein, je dis ça, mais un service de table. Ah, putain, oui, de ouf, en vrai. Et un concert de table. Un Godzilla de table, ouais, ça peut être pas mal. Je clique sur tout ce que Mathieu pourrait valider. Ok. J'en aurais mis plus. Je veux cliquer sur tout le monde, mais pourquoi ? Une règle, c'est un peu comme une table de chiffres. Ah ouais, alors, on me dit aussi table d'opération. Ça peut le faire oui, aussi. Oui, table d'opération, bien sûr. C'est vrai. Oui, oui. Mmh. Ah là là. Hey, on est sympa là. Ouais. Bon, moi, je pense que jeu, on peut essayer de le valider déjà. Ouais, jeu, on peut le valider. Ah, je pense que c'est un piège. Alors, putain.
D'un côté, je suis content parce que c'était un homo. D'un côté, je suis dans la merde de ouf parce que c'était un mot facile à faire deviner. Ah putain. Non mais c'est bien, on gagne du temps, regarde. Il reste que 4 maintenant, tu vas pouvoir faire 2 fois 2. Ouais, 2-2, tranquille. Alors les gars, franchement, cette opération, je pense, est... Pour une émission de jeu de table, ce serait trop simple, mais là... Je mets table et il n'y a pas de jeu, c'est pas possible. Ben oui, vous avez pensé en tant que gamer, mais en vrai, en tant que table, je suis d'accord que table d'opération, de base, c'est sûr que c'est dedans, quoi. Et un service de table. Enfin, ouais. Franchement, pour moi, c'est les deux. Hein. En fait, j'ai fait comme d'habitude, j'ai donné les bons mots, mais personne ne m'a écouté. Ils ont douté. En fait, il y avait 15 mots pour la même chose. Quoi. On sent que Kyo, il est dégoûté. Il dit plus rien, mais il est dégoûté. Kyo, il est silencieux, il se dit putain. Quelle bande de cons. Je n'ai pas compris. Je viens de me parler, en fait. Non, mais tout à l'heure, je dirais un truc sur ce mot-là parce que c'était très drôle de vous voir faire. Mais on en parlera après. Je veux pas donner plus d'indices. Putain. Si je dis. Bon, allez, je vais pas. Trop et puis temps. Après, oui, le service de table, même, il y avait le service que tu fais sur la table de ping-pong. Encore, peut aller loin. Oui, bien sûr. Ouais, vas-y, Keta, si tranquille. Si je pouvais mettre deux mots en indice, je pourrais faire dîner des trucs de ouf, mais avec un seul mot, c'est plus dur, du coup, je dois prendre des risques. Tu peux donner une des parties du mot. Tiens. Genre Jean-Claude, tu mets Claude. Ouais, mais dans mon cas, c'est plus compliqué. Tu vois, si tu devais faire Jean-Claude Van Damme, c'est 4 mots au total, tu vois, donc c'est compliqué. Tu mets Dame, D-A-2-M-E, ça marche. Sondage qui va gagner. Ah yes, un sondage. Attends, je vote pour nous. Moi aussi, j'ai voté pour nous déjà. Je vote les rouges, je l'avais pas vu. Allez. Ah merde, non. Ah putain, ça s'équilibre, on est à 60-40-50-50. Ah là, d'accord, toute l'équipe, alors. Potter. En fait, il n'y a que les 6 qui jouent qui ont voté. Ouais, c'est ça. Alors Potter, moi je mettrais alors Westeros et Licorne. Oh là là. Potter, on est bien d'accord, c'est Potter, tu parles de Harry Potter, enfin on est bien d'accord, Potter. Potter. Eh bah tiens, en deux, non mais en vrai en base moi je mettrais Licorne et Hollywood en vrai. Non, moi je mettrais séjour, parce que tu regardes Harry Potter dans ton séjour. Non, bah ça va, toi, t'as d'autres exemples tout nasses comme ça là. Moi je dirais marathon. Parce que pour te faire tous les mais films, après, c'est un marathon. Concert. Non, il aurait mis Harry. Non, mais concert, parce qu'il y a un concert aussi dans les films d'Harry Potter. Comme non, mais après, en vrai, si on doit en choisir un, je choisirais Westeros, tu vois. Mais là pour le coup, je dirais Hollywood, parce que c'est Harry Potter, je sais pas. Bah non, Harry Potter c'est anglais, donc moi. Je vais mettre Hollywood parce que c'est un film. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit. Non, mais c'est un film anglais. Oui, c'est anglais, c'est pas américain, les gars. C'est pas un film hollywoodien, déjà. D'accord, mais en fait, si tu veux. Je vais un peu contre mon service. Alors, non, mais alors, deux, tu mettrais lequel, toi, en vrai? J'en ai pas. Là, deux, j'en ai pas, donc je pense que c'est quand même Hollywood. Pikachu. Et qu'est-ce qu'on retourne licorne par sécurité et on réfléchit après? Vas-y, licorne. Ok. Non, mais c'est Hollywood. Super. Oui, GG. Mais ce n'est pas un film hollywoodien. Je m'en fous, c'est un film. Est-ce qu'on tente Westeros ou pas? On a encore le choix de... Il n'avait pas le choix. Westeros. Non, après, je vais être franc. Parce que, pour te défendre un petit peu, Harry Potter, c'est fait par la Warner Bros. Et la Warner Bros, c'est bien Hollywood. Ah bah, c'est beau, je voulais juste perturber un peu. Voilà. Alors, c'est beau. J'avais encore plus raison que ce que je pense. Les Américains derrière Harry Potter. On finit ou pas, ou on met Westeros? Bien sûr. Non, on finit, attends. Il dit tiens, mais tu as ton Westeros. Voilà. Au secours, Penelope, sauve-moi. j'ai cliqué. J'ai compris, il est fou. Il est pris par la folie. Ah ouais, je suis fatigué aussi. Bah oui, la baguette d'Harry a été faite en Westeros. Bah ouais, je suis d'accord, hein, putain. Ah bah Logan, bah forcément Pikachu. Enfin, de base. Ah bah. Bon, merci à Bert. C'est un follow, non? Ouais, merci pour, bon, sûr, pour le follow. C'est bon. Voilà. Et pour le deuxième, opération. Pourquoi opération? Ah, parce qu'il s'est fait opérer. Parce qu'il subit pas une opération pour avoir la dame entière. Ouais. Ouais, mais il passe un séjour aussi. Logan, il fait des séjours aussi. Ouais, il se balade et tout à Westeros. Fait des séjours en Westeros. Ouais, c'est ça. Opération, on peut le valider, opération.
On y va, c'est bon? Ouais. Ouais, GG les gars, Et bien puis joué. je propose qu'on valide service, comme c'était le service de table. On valide service. Ça vous suffira pas, mais... Punaise. Bon. C'est maintenant qu'on va chercher Pénélope. Alors, ça devait être parce que, vu qu'ils sont à 3 et que je vois les mots, je me dis, faire ces 3 mots en un coup, c'est impossible. Donc je pourrais jouer facile et faire 2 fois 1. Mais on est joueur. Joueur, mais bien sûr, joueur. Vas-y, mais alors. Les mots en 1, c'est. Vas-y. Allez, fais deviner le mot noir. Vas-y, alors, Westeros. Je vais tenter un truc. Westeros. Vas-y. Westeros. Westeros. C'est vraiment risqué. Vas-y, Westeros. Bonne chance. Team Westeros, statique. Statique. Ah oui. Joli. Oh putain, je l'ai. Il est beau. Il est beau, hein. Oh, ah, il parce est que très c'est beau. Pas simple, je trouve, de relier il les est deux. Beau. Oh, il est très ah, il très fait beau. Peur, là. Ça va parfaitement avec. Putain, il est en train de me foutre le doute là. Off. Bah, oh yes. Mais... Oh merde. Je pense que je l'avais. Oh, je ah. Pense que je... Alors, je suis désolé. Mais vous non. êtes. Mais vous êtes. Non, derrière. Attends. Pétale, dis rien. Je suis beau, ton mot et tout. Alors, non. Monsieur, c'est gros. C'est non, mais alors. Excuse, alors excuse-moi. Non mais attends. Il y a pas de souci. En vrai, j'ai voulu cliquer sur le truc, j'ai cliqué sur la. Mais putain, je suis une bite. Mais bien oh, le sûr. Con. Bien non. Sûr. En plus, c'était le mot le plus dur à trouver pour lui avec les deux autres. C'était trop chaud de faire un fois 3 avec les trois. Je suis dégoûté. Non, non. Alors franchement, je vais tenter exactement ce que j'allais tenter sinon. Non, je suis dégoûté. Désolé, désolé Pénélope, j'ai vraiment pas fait attention. Cendrillon, bah ce sera princesse. Non, t'avais ah, pas encore après, fait le genre de il fallait... Et après, t'as une bah idée. Ah ouais, j'aurais dû cliquer temps, sur Westeros. Putain. Je confirme, il aurait fait cliquer sur Westeros. Ça peut être règle. Je sais que c'est un peu salace, mais Cendrillon, ça peut être règle. Non, c'est horrible. C'est salace, mais voilà. Oh, je suis désolé. Sinon, elle peut s'asseoir ses fesses sur le Voltaire. J'aime bien, j'aime beaucoup. T'inquiète pas, Mathieu, ça arrive. Ah, je suis dégoûté, putain. En plus, ça me permettra de faire mon après Cendrillon. Mathieu, apparemment, on n'était pas dans la bonne pas. Direction. Non, on n'était pas du tout dans la bonne direction, mais putain. Non, mais. Déjà, on peut valider princesse. De toute façon, l'avantage, c'est que vu que j'ai pu vous mettre un premier mot, je peux vous mettre un deuxième mot et normalement, ça devrait aller. Bah, à part s'ils y arrivent, là. Donc là, il là, en là, reste en un fait, mot. S'ils hein. y arrivent. Là, en fait. Du coup, moi je vais entendre que Vincent là, vous parlez trop. Excuse-moi. Du coup, Vincent, qu'est-ce que tu en penses Voltaire, parce qu'elle pose ses fesses sur un Voltaire et c'est une princesse des meubles de luxe. Ou les règles, je pense pas que ce soit aussi fin que ça ce qu'il est pensé que Shiro. Donc voilà, c'était plus pour la blague. Et après, sinon, j'ai pas d'autres idées. Donc si toi t'as d'autres idées, je t'écoute. Attends, je réfléchis. Après, concert bal. Non, pas règle. Il y a dans le chat, on a dit balle, concert, balle, il y a un lien, ouais. Ouais, mais en fait, dans Cendrillon, il n'y a pas de concert. Enfin, si le gars, il est fort en Disney, il a fait attention à ça. Oui, mais il y a donc, un dans bal. Dans Cendrillon, il n'y a pas. Non, le bal, il est dans La Belle et la Bête, mais pas dans Cendrillon. Si, elle peut pas être mauvaisement, mais par contre, il y a un bal clairement dans Cendrillon. Hein. Elle ouais, danse, c'est une réception. Moi, je ne dis rien de plus, c'est juste pour remettre les faits. Ouais. Pour rétablir la vérité. Exactement. Après, elle prend un carrosse. Donc là, il n'y a rien à voir avec le carrosse. Il y a des rats dans Cendrillon, mais là, il n'y a pas de rats. J'ai plus d'idées. Il y a Gus Gus, mais il n'y a pas de Gus Gus. Je suis dégoûté. C'est un peu un marathon, la vie de Cendrillon. Ça se passe en Westeros. Tour dans les escaliers à la fin, tu vois. Ouais. Et puis, en fait, sa belle-mère, c'est un peu Godzilla aussi. Ouais, aussi, ouais. Et puis après, elle va combattre aussi dans Diablo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, avec mais c'est des ça. Samouraïs. Mais elle se marie pas à Westeros en vrai, Cendrillon. Non, Diablo, tu trompes, c'est Diablo quoi, normalement, le dragon à la fin, Diablo. Du coup, Vincent, on a aussi l'indice de planche qu'on a. Bah, ouais. Si. Est-ce qu'il y a un truc qui peut s'approcher de planche et de Cendrillon? Parce que planche, il y avait opération, ok, mais le deuxième, on l'a pas trouvé. Moi, je crois que je l'ai, planche et Cendrillon. Alors, non, si mais me permettre, le planche, c'était pas été, au début, le plan, le planche c'est le misclic d'avant, donc il a été validé. Si tu peux me permettre, le mot c'était table, hein, pas planche. En plus. T'as les mots non, dans l'historique. Le ouais, table, c'est un des mots que vous avez trouvé, il y avait table d'opération. Il y avait un mot planche qu'on vous a trouvé, oui, oui, et t'as dit que t'allais faire ah, le oui. même mot. Ok, ok. Ok, ouais, effectivement.
Bah, je sais pas, t'en penses quoi, toi, Vincent? Vas-y, on peut gagner, choisis, alors je compte sur toi. Non, honnêtement, je. Honnêtement, bah, vas-y, choisis comme ça, c'est moi qui parle. Le chat, vous bon, écoutez, je vais, faire un... je vais appeler au chat. C'est quoi, je vais. Donc, je vais... on va voir le chat. Le chat, j'ai pas regardé. C'est vraiment vache, les gars. Entre. Yeah, ah bah non, Voltaire, ah, non. Bah... Ils... Alors, dans le chat, ils disent la prochaine fois, faut tirer la courte paille, le perdant prend Mathieu dans son équipe. Voilà, voilà, c'est. Voilà quoi, je suis résumé à une vieille merde, sans déconner, quoi, c'est abusé. Non, mais nous, on te défend, nous, non, on mais par contre, je pense qu'on aurait dû mettre concert. On est d'accord avec eux, mais on te garde. Ouais, merci. Merci beaucoup. Ça me touche. Bah, je pensais aussi concert, mais bon, je. Le fait qu'il y a un bal et tout, c'est possible. En fait, bah après ouais. J'aimais bien lister en fait, des règles de Cendrillon. Je peux pas en dire plus en fait, parce que sinon je donne trop d'indices. Non, moi j'en ai un sur celui que tu nous avais donné tout à l'heure. Sur statique, t'en as un parce que ouais. Moi là je suis perdu. Ah, si, si, j'en ai un. Samouraï. Non, pour statique, moi j'aurais mis Pikachu. Voilà, moi je lâche là et maintenant je vous dis adieu. Oui, oh, bien mais sûr, non l'électricité. Oh mais non! Mais je rigole s'ils le font pas en deux. Oh mais non! Et alors c'est quoi? Je rigole si. Enfin, je ne dis rien. Je ne dis rien. Tu sais très bien à quoi je veux penser et je vais pas le dire avant. Exactement ce à quoi je. Kétal, je les avais les deux. À statique, j'avais les deux. Bah merci, toi t'as un cerveau dans ce. Oh l'enfoiré! Je suis désolé. Je troll, bien sûr, je troll. Bon alors là, c'est moi qui vais. En vrai, le mot était pas simple, je trouve. Moi je pense que j'aurais eu pas que dans mon équipe, on a déjà gagné. Un concert, c'est alimentaire en électricité. Non, alors moi j'aurais pensé entre guillemets à Godzilla. Dans le même mais esprit. Mais Godzilla, oui, j'allais dire dans le même esprit. Ouais, Godzilla, mais Godzilla c'est pas électricité, c'est des produits chimiques. Non, c'est radioactif. C'est Westeros. Moi je suis étonné qu'il fasse pas le lien avec Westeros et l'électricité. Hein, mais... Ouais. Bon, Pikachu, on le retourne comme ça au moins on est sûr. Ouais. Ok, déjà là on est bon. Bon, c'est le dernier. Et là, pour moi, c'est concert ou Godzilla. Les autres, c'est pas ça. Ouais, c'est jour, non. Diablo, je vois pas le rapport. Westeros, franchement, j'aurais bien cliqué sur Westeros, mais c'est surtout pour mon... c'est pour mon kiff personnel. C'est le mot noir. Ouais, c'est sûr, c'est le mot noir. Je pense que t'es attiré pour une bonne raison, tu vois. Règle, marathon, ouais, Chiro, je vois. Bah attends, tu vis ce que moi j'ai vécu il y a 30 secondes là. Ouais, mais. On part sur Godzilla ou sur concert. Je sais très bien pourquoi je voulais pas mettre ce mot là à la base et j'ai très peur. Et en fait, il faut partir sur statique en fait. Et à la base, statique, il nous avait mis mais deux. Statique, aussi. C'était pour électricité. Oui, c'était électricité, pour électricité statique, d'accord. Donc on a Pikachu, pas de soucis, mais il nous avait quand même mais dit coup, deux. Mais du coup, c'est pas concert. Bah et non. Du coup, c'est pas concert. Un concert, parce c'est pas statique. Voilà, un concert surtout, c'est pas de l'électricité statique. Ouais, ça dépend le concert de qui, hein. Je pense qu'effectivement ça peut être Godzilla. Moi. On tente Godzilla, vas-y, on s'en fout. Allez, tente Godzilla. Allez. Non. Mais non. Bah alors là, franchement, ça va falloir vous m'expliquer votre logique. Vous aviez électricité statique et vous n'avez pas trouvé. C'était tellement logique. C'était tellement logique en plus. Mais oui. Au secours, il y en a deux chez eux qui l'ont. Je l'ai. Oh putain que je suis conne. Au secours. C'est une règle, Mathieu, c'est une règle. Bah bien sûr, c'est une règle statique, c'est facile à prouver. Tu frottes ta règle. Allez, c'est avec ta règle que tu fais des secours. Et j'étais sûr que t'allais mettre salon, Kyoshiro, je me suis dit, c'est sûr, il va mettre salon. Ah ouais. C'est le plus mais simple. De toute façon, enfin... On a bien fait de pas mettre concert, hein, punaise. Parce que j'ai mis statique en me disant ils vont penser à électricité statique normalement et comme ça ils diront pas directement concert. Et par c'est contre, un séjour de Cendrillon. La règle et Pikachu, parce que c'était le seul lien qu'il y avait entre les deux. Séjour de Cendrillon. Je dis, je vais mettre électricité, ils vont aller sur concert, je vais être dégoûté. Ah putain, j'y étais pas du tout sur règle. Hein. Godzilla, alors Godzilla et électricité statique. Eu, mais après. Expliquez-moi le lien entre Godzilla et. C'est parce que dans les pubs, Godzilla il bouge des poteaux électriques. Voilà, il a fait des électricités autour de lui quand il marche dans les fumées qui casse tout. Entre statique et planche. Ouais, j'ai pas compris. Bah ça bouge pas. Ah oui, d'accord. Bah ouais, non, en fait, j'étais parti sur ça aussi. Ouais, non, mais j'avais eu la même logique. Moi, statique, pour moi, c'était immobile. Donc j'étais sur samouraï et planche. Ouais, alors, juste alors pareil, je vais dire samouraï. Samouraï, c'est pas vraiment immobile, hein. Juste pour la vanne, tout à l'heure, quand... C'est plus immobile que Westeros. Quand ils ont fait Bilbo 3, en fait, ou Table Bleue, je sais plus, mais à un moment, en fait, Bilbo vous n'arrêtez pas de troller, alors qu'eux, ils pensaient à plein de mots qui étaient faux,
Et vous avez trollé sur les mots bleus qui étaient juste genre planche, opération et tout. Et j'étais là en mode. j'ai fait ma spécialité quoi. Oh putain, c'est dur. Mais des fois, c'est perturbant aussi. Ah là, sur ça les joue un. Mais c'est une belle partie du coup parce que ça se joue à peu de choses. Le statique. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour la règle parce que je l'ai eu. Tu l'as eu juste après. En fait, le problème, c'est que c'est pour ça que tu disais, faut vraiment reprendre tous les mots les dire à voix haute parce que des fois, il y a des liens évidents. Et tant que tu dis pas le mot à voix haute, tu ne penses pas. Non, mais on a joué trop vite. Tu dis le mot à voix haute, tu penses pas. Mais on a joué peut-être trop vite, mais bon. Mais c'est pas grave. C'était marrant. Et pour l'instant, les bleus, ils nous massacrent. Hein. Ouais, un petit peu. Est-ce qu'on prend la revanche avec les gens qui ont pas encore fait espion? Ouais. Alors, qui c'est qui avait voté équipe bleue là dans le chat? Je vais faire espion du coup. On a plus le chat malheureusement. Mais en fait, le problème, c'est que si on reste les bleus comme ça et que vous gagnez, en fait, vous avez quand même perdu. Ouais, mais c'est pas grave. On non, mais non, non, mais. Non, mais on reste les mêmes équipes et on est pénalisé. Nous, on a un esprit d'équipe, ok? Oui, donc nous, t'as vraiment voté pour les bleus. Ça reste. C'est curieux. Bon, du coup, on change pas les équipes, on échange. Non, en fait, du coup, Vincent, tu vas en espion alors. On change pas. Comme ça, je vais pouvoir fermer ma gueule et pas leur donner des indices pendant leur mot. C'est ça. Non, mais alors, on peut inventer une règle, celui qui gagne, il gagne 5 points. Il gagne que Mathieu lui envoie un all-in. Non, mais on peut encore faire une ou deux derrière en changer les équipes, y a pas de soucis. Hein. Mais Mathieu est nul, mais arrêtez, ça va, c'est une équipe, c'est un jeu d'équipe, c'est pas toi, moi tout seul qui ai tout fait perdre. Et Godzilla, c'est mort, j'en veux pas. Ça, c'est bien aimé dans le chat. Dans le chat. Règle était plus proche de Cendrillon que de Statique. Ah oui, c'est vrai, c'est clair. Alors. C'était chaud là. Kétal, c'est des choses. Ça dépend si t'as un esprit beauf ou pas en fait. Ouais. Ouais, j'ai pas un esprit beauf, mais. Je dis personne évidemment. Non, mais c'est pas parce que tu découpes Mathieu au sabre laser dans les cartes que tu peux te permettre. Ce détournement d'aggro, j'ai vu ça dedans ou avec. Oh, tu vois en plus il met Jedi 3, c'est pas magnifique ça. Bah, Mexique, de base. Alors, Jedi. Bah, en vrai, il y a plein de scènes quand t'es tourné au Mexique. Bah oui. Ouais, ouais. Ce qui est sur Tatooine, c'était dans le désert mexicain. Hein. Bah, il y a Princess Leia, vous l'avez pas vu encore, les gars? Sans déconner. Ouais, c'est étoile. Je l'avais vraiment pas vu. En et dis-leur pas. Tu peux troller sur des gens, on peut valider celui-là. Genre salade. Vas-y, troll sur salade. Non, mais je les vois taper sur siège. Je me dis, mais c'est quoi le rapport, quoi? Bah, t'as bon, étoile, on valide, étoile. Ouais, étoile, on valide. Ouais, étoile, ouais. Non, mais les sièges, c'est les sièges du Sénat. Ouais, de la pompe, évidemment, la pompe, c'est les sabres laser, faut savoir. Mais je pense que lumière, c'est un peu mieux, je pense. Attends, je lis les mots qui restent. Godzilla, Zelda, non. Bah oui, Godzilla, il fait la lumière, hein, donc automatiquement, c'est un Jedi. Il a un sabre laser. Hein. Mm. Moi, je suis reparti avec la bouche, lumière, moi, je valide lumière. C'est un sabre laser. Moi, on valide lumière. Lumière, c'est une belle idée. Oh, allez, et qui crache. Bien joué Vincent, bien joué Vincent. Est-ce qu'on en valide un au hasard ou pas? Non, on peut pas. Pour le fun, si on peut. Non, non. Allez, on met un petit peu de fun. Non, t'as pas envie. Non, non, mais c'est pas parce que là le jeu il le permet, techniquement t'as pas le droit. Alors on pose comme mais ça. Mais est-ce que le jeu en ligne, donc le jeu en ligne. Alors d'instinct comme ça, moi le mot là qui me plaît bien là, c'est Jack Sparrow. Je sais pas pourquoi d'instinct ce petit Jack Sparrow me. Ça a été tourné à Westeros aussi. C'est ça, c'est mon Westeros de la partie. Un mot noir donc ça va. Jack Sparrow, ouais, vas-y, va sur Jack Sparrow. Disney, là tu mets Disney, on peut mettre Mickey, Jack Sparrow, Narnia. Vas-y, on envoie là. On peut mettre. Sinon, tout à l'heure j'avais règles et jeux, j'hésitais à mettre entre jeux, mais il y avait jeux dedans donc j'avais pas le droit. Ah oui, c'est vrai. T'as dû mettre entre, mais bon, est-ce qu'on aurait compris? On aurait mis la princesse. On aurait mis la princesse. Bien sûr, règles. J'ai réussi à mettre électricité et statique dans la même truc. C'est vrai. Et que c'est passé à côté. Ouais, j'avoue que c'est passé. Franchement, de ouf, hein, je suis dégoûté. Alors. Vas-y. Alors là, Pénélope, elle a la pression. Je réfléchis deux secondes parce que. Non, non, mais vas-y. C'est tendu du style. Et là, elle se rend compte que le jeu il est un peu plus difficile en tant qu'espion. Ah, Narnia, c'est tout nouveau. Elle a l'habitude de jouer l'espion. Ouais, Narnia, tout nouveau. Mickey, je suis pas d'accord. Grenade, siège, tu peux mettre un truc genre nazi, tu mets Allemagne, grenade et siège. Point Godwin. Oh là là, j'ai peur, je prends des risques. Tu nous mets destruction. Ah bah, grenade de base. De base, on met grenade.
Ah oui, attention Cody. Public, hein. Oui, excuse, oui, non, t'inquiète. Alors, est-ce qu'on mettrait Zelda? Zelda. Est-ce qu'on met Zelda? Zelda. Non, alors Zelda. Le feu. En 3, tu mets le feu en destruction. Attends, bah, Mickey. Mickey, c'est un truc d'enfant. Non mais moi je. Tu connais pas la maison de Mickey mon pote hein, parce ah, mais Mickey, que ça, destruction. Ça, hein. Non mais attends, mais maison du Mickey, tu crois que je connais pas? Je connais la danse, ok mec, de... J'ai mes deux enfants qui regardent ça tout le temps là, je pète un plomb moi. Jack Sparrow, bah, il fait exploser des trucs de partout. Ça détruit la tête direct. Ah, ça détruit la tête. On met Grenade et Godzilla déjà. Oh, tous les cas! Sherlock, il y a toujours tout le monde. Est-ce qu'on met Grenade et Godzilla déjà? Oui, oui. Okay. Autour du cœur. Zelda, tu utilises les bombes pour faire des passages. Ça nous servira après. C'est la maison de Mickey. Maison de Mickey. Qui l'a fabriqué? Mickey. Mickey. C'est magique, c'est fantastique. On a perdu mon équipe. Bon, on a tous des enfants. Ah Mathieu, dans Zelda, tu utilises les bombes? Ah bah oui, c'est vrai. Non mais feu, forcément allez, destruction. Non mais vas-y feu de base, c'est pas mal feu. Non, destruction. Ouais mais c'est pas ouf. Ou Mexique, parce qu'ils ont des cartels. À New York, il y a une grosse destruction il y a quelques années. Ouais c'est ça, quelques années, destruction aussi dans le mais allez, tu sais quoi, je vais cliquer dès maintenant sur Mickey comme ça. Non je comme ça, c'est le mot noir. Alors, nous on nous dit la banane dans Mario Kart, ça détruit des amitiés. C'est vrai. C'est vrai que la banane, ça détruit des amitiés, j'avoue. C'est vrai que la si tu mets... dans Mario. Bah oui. Bah oui, la banane. Même si j'en dis la carapace bleue, moi, mais... Le maxi outil mystère. Mickey. Maxi-outil magique. Aidez-nous. On vous avait dit que ça détruisait des cellules. Bon. 6 à 5, pour l'instant, on est à égalité parce que les bleus, ils ont un mot de plus vu qu'ils commencent. Pour l'instant, ça veut dire. Oh putain, ils me rendent fou. Ces enfants me rendent fou. C'est ceux qui n'ont pas d'enfants, n'en faites pas, ça détruit le cerveau petit à petit. C'est une tumeur en fait qui vous bouffe le cerveau petit à petit. Comme ça. Et votre contentement, et votre ego. Et... Ouais, c'est ça. Putain, après j'ai que des 1. Ah merde. Faut pas le dire ça. Ouais, on sent le traumatisme. Ouais, j'avoue que le traumatisme est profond là avec le Mickey. Quoi que ça dure moins trop, avec le deuxième ça dure un peu moins. Mais... En 1. Personnage en 2. Bah déjà, il y en a beaucoup des personnages. Ah bah oui. Quel personnage, c'est un peu chaud. Jack Sparrow. Non, c'est gentil, mais tu nous mets un peu dans la merde. Vous avez une chance sur deux, les gars. Good luck. T'en en es à plein de personnages. C'est la maison de Mickey. Et oui. Alors, Mickey. Après, il a mis personnage avec un S. Bah est-ce oui. Que l'Allemagne a fait naître un certain nombre de sacrés personnages. Alors, accessoirement, ils sont Zelda, c'est une personne. Jack Sparrow, c'est une personne. Non, mais en fait, c'est juste un nom. Non, mais c'est un nom composé. Tu vois, Jack Sparrow, il est plusieurs. D'accord. Ok. Il est plusieurs dans sa tête. Comme chez Mathieu. Non, mais par contre, Jack Sparrow, il a un équipage, donc ils sont plusieurs. Zelda, par contre, c'est un non, mec. Mais, c'est non, mais c'est pardon, question, pardon, pardon. C'est... Zelda, c'est un mec. Tu peux redire cette phrase? Zelda, c'est la princesse. Zelda, hein. C'est la princesse. Ok, non, mais moi, je parlais de Zelda. C'est... Alors, à part dans certains trucs chelous où Zelda est une fille, un garçon. Non, jamais il y a eu Zelda garçon. Vous en voyez beaucoup. Ouais, alors pas dans... non, mais dans les trucs parodiques. En fait, il y a ça. Qu'un seul jeu, c'est le jeu sur CDTI, là, Philippe. Ah, nouveau vote en cours. Zelda, tous les autres. Allez, les gars, il y a nouveau vote. Allez, votez pour les rouges, s'il vous plaît, les gars, pour l'équipe. Là. Donne un peu de morale aux rouges. On a la force de Mickey avec nous, là. On tourne les cas. Bon, bah, du coup, Toshiro, tu veux qu'on fasse quoi? Bah, moi, je tenterai Mickey. Ouais, Mexique aussi, c'est pas mal. En fait, c'est... Mickey, la tortue, la tortue, c'est un personnage, vous êtes fous. Bon, après, en même temps, on a chanté Mickey, donc on teste. Vas-y, moi, je tente Mickey. Je vote rouge, mais sans conviction, cette fois. Ouais, c'est dommage. Allez. Je vais trouver le contraire. On Mickey, va tout donner, c'est là. Juste. On va tout donner. Alors après, si on reste dans la logique, Zelda. C'était des personnages de Disney. Non, parce que là, on a cliqué sur un truc Disney. Donc si on reste dans personnage 2 et que c'est relou aussi... Parce que et donc tu mettrais Sherlock. Disney, hein. Bah tu mets Sherlock. Ouais, Sherlock. Je dirais Jack Sparrow. Ouais, Sherlock. Bah...
Mais si, Sherlock, Parce c'est que Disney. ça fait partie de la Ah firme non, Sherlock, Disney. c'est un dessin animé, mais c'est pas Disney. Mais si, c'est Disney. Doctor Strange, c'est Disney, on est bien d'accord. C'est Moi, Marvel. Et bah. je dis, on. Dans ces cas-là, il aurait mis Disney, il aurait pas mis Sherlock personnage. pour Warner Bros. Ouais, personnage. Effectivement. Ouais, c'est pas faux. Bah, mais Narnia, comme ça au moins tu tapes au centre, quoi. Moi, je dirais Zelda. Ouais, mais après, il y aurait eu Narnia s'il avait mis Disney. Ouais, et, bah. Disney, et Narnia, alors, c'est Narnia n'est pas un film Disney. Ça peut ressembler, mais. Si, c'est Disney, si, Narnia. Si, on parie combien, mon pote? Ah ouais, c'est T'as Disney. Ouais, c'est un Disney. Disney qui a fait oui, Narnia. C'est ouais. Sûr, non, à 200%. C'est un studio appartenant ah, à non, Disney, mais c'est depuis pas peu. Disney. Ah, non, ils ont récupéré les droits de Narnia, mais c'est pas un Narnia. Narnia, à la base, c'est pas Disney. Ah, c'est ah. peut-être un Warner Bros. Il a non, non, raison. Non, non, non. C'est non, pas non, Disney non. à la base, hein. C'est sûr. Narnia, c'est. Bah, moi, quand c'est sorti, Narnia, Narnia c'est Warner Bros. Alors. Je suis quasiment sûr de ça. Attends. Par contre, si maintenant c'est tombé sous les jeux de droits de Disney, ça, c'est vrai qu'on n'a pas. Mais... Non, non, je suis Narnia, Disney. Bah ouais, j'ai toujours cru que c'était Disney, moi, en vrai. Mais là, c'est un faux débat, là, pour l'instant. Mais je crois que c'est lors du rachat. C'est pas Disney d'origine. Ah, ok. Oh, franchement, j'étais pas Le monde de Narnia s'installe à Disney Resort. Non, ouais. mais je crois que Narnia, c'est Disney pour moi. Bah non, déjà, ils nous disent. Déjà, le bouquin, c'était clairement pas un Disney à la base. Et non. même quand ils ont fait des premiers films. Il n'y a aucun bouquin qui est Disney à la base. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ce que je pensais qu'ils avaient acheté les droits du. Parce du que bouquin Pirates des Caraïbes, tu crois que c'est Disney à la base? Bah oui, si, bah si, c'est le parc d'attraction Disney. Ah, ça, non, par contre, Pirates des Caraïbes à la base, c'est Disney, c'était pas le bon exemple. Non, mais c'est je veux Walden dire. C'est Media, la société de production à la base. D'accord, bon. Ouais, mais vrai, le DVD, bizarre. Quand il est sorti, il était estampillé Disney ou pas? Bah ça, ouais, moi, pour moi, c'est ça que dans ma tête, c'était ça. Mais bon, bref, Jack Sparrow ou Zelda alors, pour le coup? Bah du coup si c'est si Narnia c'est Disney. Ils sont sur Disney Plus en Narnia. Tout cas mais bon. Donc en tout cas oui. Alors il était estampillé 20e Century Fox. Donc c'était pas un Ah Disney, c'est la Century Fox. Ok d'accord. Tu vois bien joué. Donc du coup Narnia ça. Non donc ma logique de Disney et Jack Sparrow ça peut le faire. Moi je serais plus Zelda mais Écoute. Moi je propose un pierre feuille ciseau en direct. Ok vas-y. En BO9 En BO1 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 Vas-y, donc je suis Fumi. Je suis Fumi caméra. Feuille, ciseaux. Il l'a tellement fait après, mais il a perdu. C'est Marco qui gagne. Vas-y, Marco. Il y a toujours Vas-y. En fait une règle qui dit que les gens ils mettent toujours la pierre au début. Je m'ai mis Disney que Firo il avait le bon raisonnement. Bah oui. Personnage, tu es fou! Tu es fou! Personnage avec le mot noir dedans, c'est. Ouais, mais ouais j'étais persuadé que vous alliez trouver Mickey et Zelda, j'étais persuadé. Et ah bah, non, il faut parce que en fait gagner. Si je mettais Disney pour. J'avais deux possibilités, trois pour Mickey. J'avais personnage, souris et Disney. Si je mettais Disney, ça partait sur Jack Sparrow. Je tiens à dire un truc, le chat le dit, mais Jack Sparrow annoncé par Mathieu. Oui, j'avoue! Non mais Jacques, oui, mais oui, ouais. Oui, oui, au début de tout, t'as dit, moi je sens bien Jacques Sparrow, j'étais là genre... Et ben voilà, t'aurais pas dû jouer la pierre, hein. T'as jamais joué la pierre au premier truc. Moi je pense qu'il faut faire une revanche tout de suite de cette partie. Ouais, faut faire une revanche tout de suite, comme ça, avec un peu de chance, on remonte à 2-2 et d'ailleurs, on a gagné le sondage, voilà. Mais oui, voilà. Mais oui, vous y avez pas pour nous, mais... Moi je suis un peu ravi parce que j'avais 5 mots de merde, voilà. Salade... Sherlock perd New York, Ouais. Salade Allemagne, cerise et Mexique... En vrai, t'aurais mis Strange pour Sherlock et New York, je pense. Ouais. Parce que Strange est à New York et Sherlock, on aurait eu le lien, je pense. Ouais, pareil, j'aurais eu le lien. Moi, vous valiez Zelda et c'était plus simple pour moi. Bah, une salade de cerise, c'est facile. Non, en vrai, t'as deux pays. Salade et cerise, tu peux mettre fruits, genre, ça passe. Fruits pour la cerise et salade de fruits. Ouais, mais il y avait banane aussi. Ouais, il y a banane, j'avoue. Est-ce qu'on refait avec les mêmes espions ou pas? Oui, moi je pense qu'on peut faire ça là, parce que moi j'ai pas assez joué en espion. Bah ouais, c'est ça. Vas-y, Pénélope, rejoins en tant qu'espion. Parfait. Bam, bam. Tu vois, c'est pas un jeu d'équipe, soit il fait gagner la partie, soit il la fait perdre, Naughty 42. Ouais, c'est vrai. Bon, après, il y a le chat qui me réclame, enfin, le chat, c'est ma femme en fait qui m'envoie des messages, qui me réclame que je rejoue en espion pour revoir les couleurs. Elle aime bien les couleurs. Ah, d'accord. Mais bien sûr. Bon, faire ça. Après celle-ci, on fait des changements d'équipe et on remettra Mathieu en espion pour que je chasse les couleurs. Alors, attendez. Mais non, on aura attendez. Plus de chat. Alors, quel sera le mot
Encore Lara Croft, Homer Simpson, James Bond, Diablo. Tu sais, le jeu, il change pas trop ses noms. Hein. En fait, alors... c'est parce que ces mots-là, ils viennent du truc geek. Ouais. Y en a et pas le truc geek, il n'y a pas tant de cartes dedans que ça, en fait. Non, c'est... Le bonsaï, il sera le mot noir, les amis. T'as dit quoi ? Le bonsaï. Bonsaï. Je le sens. Bonsaï, je sais pas pourquoi, j'ai une intuition. J'aurais dit bougie. J'avais un doute avec Marguerite, en fait, mais... Marguerite. Moi, ce que je retiens, c'est que si Penelope, elle met Zelda, ça veut dire Japon, donc on vote bonsaï. si elle vous met mouche, vous pouvez mettre Marguerite. Hein. Non, en vrai, tu peux... Enfin, si on est logique, tu vois, il y a beaucoup de personnages, tu vois, comme James Bond, Catwoman, Lara Croft, Homer Simpson et tout. Forcément, là, il y en a un qui est noir, en vrai, de vrai, je pense, dans l'histoire. Parce que sinon, c'est trop facile. Ouais, c'est Veste, le mot noir, c'est Veste. Le mot noir n'a rien à voir avec le fait d'avoir des personnalités ou pas. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que t'as beaucoup de mots voilà. qui sont identiques. En fait, c'était plutôt ça, ma logique. Mais, oui, mais en fait, réfléchis à ce point-là. Comme non, je disais, c'est parce qu'on a rajouté le pack geek. Et le pack geek, bah, y a pas tant de mots que ça dedans, donc il revient souvent. Vas-y, Banzai, allez, va pour Banzai. Enfin. Ah, c'est ça, il y a un pack geek, je comprends mieux maintenant. En fait, c'est un... Mais ce qu'on fera pour les prochaines, c'est qu'on arrive à le pack geek. C'est un goodies, le goodies geek. Non, alors enfer, t'aurais pu mettre vol aussi, parce que voler, c'est pas bien. Le loup, c'est souvent associé à l'enfer. Ouais, c'est vrai. Non, il fait le que le fantôme. En fait, on voit des ah, mais attends, un fantôme, c'est mort, donc pour moi, il aurait pas mis, je sais pas, enfer, ça me paraît bizarre. Bon, en tout cas, j'espère qu'il n'y avait pas cavalier, parce que sinon, ça marchait bien. Quand tu manges du poison et que t'as fait des mauvaises choses, tu vas en enfer. Bah oui, c'est clair, aussi. Et Homer Simpson, il y a un épisode où il est en enfer. Ah bah oui, aussi. Bah ouais, non, franchement. Catwoman, c'est les chats. Ouais, les on peut valider Diablo déjà. Début des prédictions. Qui va gagner ? Oh. Ah oui, les points de chaîne. Remporter des points de chaîne, si c'est juste. Ah bah ils avaient bon. Ok, ils avaient bon. Allez, prédire. Et après, ça aurait pu être James Bond aussi, il a raison. Ah, il a fait un vrai sondage avec des points de chaîne. Je crois qu'il y a le. Comment dire. Il y en a un, c'est L'enfer ne meurt jamais ou un truc comme ça. Non, c'est peut-être pas ça le titre. Rivière. Ah oh, bah vas-y, Nil, de base. Ah, c'est trop nul, on peut pas jouer parce qu'on est modérateur. Ouais, moi, j'étais en train de le faire avec le truc de la chaîne aussi. Ah merde, je peux pas. Je faut que je vienne. Alors, Nil, ok, jusque-là, pas de soucis. Rivière. Oh, Rivière. Ah, elle a pas vu un truc, ça y est. Oh putain, ça veut dire qu'elle vient de se rendre compte qu'il y a un mot qui va rentrer dedans et qu'elle aurait pas dû mettre. On tourne nul direct. Non, on fait tout d'abord. Ah d'accord. Moi je préfère qu'on essaie de trouver le maximum de trucs avant de voir. Parce que des fois il y a des trucs qui te paraissent évidents, mais en fait tu regardes le reste et finalement il y avait plus évident. Bah Nil, de base c'est super évident quoi. Y a pas... Électricité rivière, pour moi ça colle. Les centrales, trucs électriques qui font tourner sur les rivières, etc. Pour moi ça peut coller. Non, j'y crois pas du tout. Je suis désolé. Elle a peut-être mal lu un mot. Moi je suis sûr qu'elle a mal lu un mot. Ah, le poisson, tu crois qu'elle a mis... La connaissance, elle a mal lu un mot. Cette explication est très convaincante. Je vais mettre mon petit truc sur poisson. Je vous aide, hein, mais... Alors, Rome, mais je suis sûr et certain qu'elle a lu poisson et pas poison. Mais est-ce qu'elle a pas... Non, mais attends, est-ce qu'elle a pas lu anguille, alors, au lieu de aiguille J'y ai pensé aussi à ça. J'ai pensé aux deux. Je dis les deux, anguille et poisson. Ça serait merveilleux. Je me suis dit, elle a fait les deux boulettes, moi. Atome, Wolverine, vol... Bonsaï, bougie, nord, uniforme, loup. Oh, bien, merci, Pénel. Man, Lara Croft, Homer Simpson, James Bond, veste et soupe. Bon, il y a quoi pour tourner Nil déjà? Je crois qu'il n'y a pas une seule partie où elle plante pas poisson et poison. Il ne faut pas confondre poisson et poison. Alors, vas-y, on met Nil. On tape pour Nil. Allez, yes. Ok, Nil, on est bon. Est-ce qu'on tente le poison? La théorie du. Elle ne sait pas lire. Allez, vas-y. Vas-y, on part sur le poison, vas-y, pour la vanne. Ah mais c'était pas une bonne quand je voulais dire. Mais c'est sûr que c'était bon. Tu peux me dire merci quand même un peu. Merci que tu vois, j'avoue. À chaque fois tu fais l'erreur. Poison. Mais tu sais que le pire c'est que aiguille anguille, je l'ai pas vu. Je l'ai vu quand vous l'avez dit. Oui, ah ouais. Pour toi c'était sûr c'était anguille. Parce que moi j'ai vu direct que t'étais trompé. En fait, ces deux mots là, la dernière fois qu'on a joué, on s'est planté. Mais c'est grave, je suis là, je suis à 50 cm de mon écran, je suis pas aveugle. Non, mais
Mais à chaque partie, on se plante sur ces deux-là. Ouais, je... Alors, les gens du chat, n'hésitez pas à clipper ce moment, s'il vous plaît. C'est vrai, c'était magnifique. Ça vaut vraiment le coup. Faut aussi clipper le mot noir précédent, d'ailleurs. Si vous voulez faire des clips, n'hésitez pas, ça serait bien cool. C'est vrai. J'ai vu que Ticurius avait bien aimé ce moment. Si c'est ça, c'est merveilleux. Alors, enfin, si c'est ça, merveilleux. Ouais. Je pense que là, c'est la clip qui peut rester sur... Ce qui est génial, c'est qu'au niveau du sondage, les rouges sont en... Ah bah là je vous ai quand même bien aidé là. En fait j'aurais dû prédire. Ouais, j'allais dire merci Kiyoshiro. Enfin Kiyoshiro on trouvait pas donc il avait un peu triche quoi. Mais... Non mais ouais. Non, clairement moi j'aurais mis l'électricité pour le truc électrique et rien d'autre. Hein. j'ai pas parlé de ta vraie. J'ai quand même dire je peux voter ouais, rouge dans le prédiction et faire exprès de perdre la partie. Ouais c'est vrai que tu peux faire ça. Putain, oh là là. Tu sais quoi, je jugerai pas, parce que je suis en tant que dyslexique, c'est le genre de truc que je fais au quotidien. Donc, je sens que j'ai des nouveaux fans. Oh là là. Pour rappel, Pénélope a aussi une chaîne Twitch. Elle a une petite activité humble, et elle existe. Et elle fait les mêmes blagues hein, sur sa chaîne. Bah écoute, moi je valide. Ah, oh, policier, tu mettais James Bond. Ah, oh, moi j'aurais mis veste en vrai. Uniforme ouais, veste. Alors, ah, ouais, la veste de Kevlar sur les policiers. Peu, et même le y vol. Pas, y a pas Sherlock. Non, mais en vol, tu peux mettre vol en vrai. Ah, oui, le vol. Bien sûr. Le banzai aussi. Non, vous pouvez mettre le banzai, mais ça après c'est. Ouais, parce que les commissaires bon. Ils ont souvent un banzai dans les films, ah. C'est ça. Bah, oui, c'est ça. 42 de Jack qui dit je suis pas aidé, courage. La team dyslexique en force. Oh là là. Ça nous permet de prendre la tête quand même pour le coup, là. On va pas se... Bah, déjà, on peut valider uniforme. T'en penses quoi? Ouais, mais si on doit être à 4-2 pour gagner, c'est quand même un peu triste. Hein, Couchiro? Uniforme, ouais. Je pense que les policiers, c'est un peu les cavaliers des temps modernes au final. Bah, tu sais que j'ai hésité avec cavalier, mais je me suis dit, si franchement on a cavalier qu'il l'avait pas foutu avec enfer déjà. On lui fout des claques. Hein. Homer Simpson aussi d'ailleurs. C'est vrai. Après, policier. Lara Croft, elle a des pistolets comme les policiers. Ouais, bah, tu sais que quelque part, j'hésitais même Homer Simpson, hein, parce que t'as tout le temps le flic dans Simpson, quoi. Mais. L'agent, ouais. Oh, mais... Avec ses donuts. En fait, il faut être dans sa tête, il faut faire attention. Mais parce que ouais, vol, mais lui, pas mal. Mais lui, il est plus logique. Hein. Tu valides vol, il nous a Marco. Fait des trucs cartésiens. Vas-y, on valide, de toute façon, j'ai pas d'autre idée. C'est ta faute, Mathieu. Ouais, je sais pas. Ouais. Franchement, écoute, à part vol, je voyais rien d'autre. Ils nous ont filé un coup de main tout à l'heure. On leur a donné un mot, ils nous ont donné ouais, deux. Ouais, voilà. On est quitte. Bah, bien sûr. Je sens que je vais plus personne va être confiant sur mes indices. Bon, alors, Pénélope, c'est blanc et pas blanc. Hein. C'est affreux. C'est rougi et pas rougi. Je vais vérifier 10 fois maintenant. Non mais vas-y, no stress, ça nous a bien aidé en plus. Je suis sûr qu'on a fait plus de points que ce que t'aurais voulu. Hein. Non, normalement c'est bon. Wow, ah, la soupe, facile, hein. C'est un vêtement la soupe, non? J'hésitais avec le banzai moi, mais... Banzai. T'en plus ton banzai. Ah, je le kiffe. Rob, on t'en a vraiment premier bien. Un 42 qui dit relis bien tous les mots, on te laisse le temps. Voilà, je suis en train de relire tous les mots au cas où, mais ouais, non, je pense qu'on est bon. Vas-y, go. Yes. Ok. Est-ce qu'on tente électricité? Est-ce qu'on tente Kanzai? Je clique, je désamorce avant qu'on fasse n'importe quoi. Ah merde, putain, j'aurais tenté le Kanzai. Tu cliques. J'ai le clic facile, faites attention, j'ai le clic facile. Ah, tout à l'heure, je suis dégoûté, quoi, putain. Le mis-clic. Mais tout à l'heure, j'y ai cru hein, qu'il allait finir par cliquer sur Westeros. J'ai hésité à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je clique sur Westeros ou pas. C'est pas grave, c'était un blanc, mais... Ouais, c'est vrai. Oui, c'est pour ça, tu aurais cliqué sur Westeros, après, on va trouver les mots. Ça aurait été rigolo. Oui, c'est vrai. J'aurais dû faire ça. Bon, bah, sauf si c'est noir, parce que là, bah... Alors là, pour le coup, non, rigolo. pour le coup, là, on est quand même un petit. Il nous en reste 3, mais je suis pas sûr qu'elle va le faire en 3. Quand je lis un peu les mots. Elle a dit qu'elle avait été 1 tout à l'heure, je pense qu'on aura un petit 2 et un petit 1. Donc Ouais, ouais. Mais vas-y, tranquille, parce que de toute façon, là, ils vont pas. En tout cas, nous, on compte sur toi, Vincent. Vas-y, mets-lui un coup de pression. Mais non, mais il va la jouer tranquille, parce qu'il s'est fait avoir tout à l'heure, et là, il va la jouer tranquille.
Il va la jouer tranquille. Bah, il faut pas qu'il la joue tranquille, il faut qu'il nous fasse un truc en 3 là. Non, 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 il va la jouer tranquille, il va faire 1, je le connais. Bah, allez, 5, en 5, allez, pouf, et là tu les scotches. Ouais, bah, en 5, moi aussi je mets ma bite et tu vois, tout le monde nous tape un peu comme il veut quoi. C'est, alors, non, c'est t'as facile. Pas le droit parce que t'as fait 2 mots. Alors, t'as pas le droit, après on va se faire bannir. Ça fait 2 mots. Tu mets soit ma, soit bite, mais pas ma bite. Je pense que c'est mieux de mettre ma du coup. Ma. Oui, mais non, ce que je veux dire, c'est que tu peux... la vanne oh, et on ne fera pas bannir de tweet. Tu sais que techniquement, là, on est déjà bannissable en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'ils ont changé les règles depuis le 1er janvier et rien que le fait de dire un mot dans ce style qu'il a dit, si quelqu'un reporte, c'est un ban. S'il vous plaît, le chat. Si, parce que ça nous fera de la pub un peu. Ouais, après, c'est un ban temporaire de 3 jours. Hein, mais ouais, bon, 3 fait. Jours, c'est pas grave. Bon, c'est quoi, on peut dire ce c'est mot-là, quoi, c'est la Ludis Squad qu'on. Après, on se fait ban si vraiment on a insulté quelqu'un, mais. Non, par défaut, je cherche pas à comprendre en fait. Ouais. Non, bah alors désolé pour les insensibles, c'était. Ils s'embêtent pour rien. Hein. Alors en fait, maintenant, ils s'embêtent plus et ils bannent sur le report, et si après toi tu viens faire une réclamation, ils vont te checker. Mais. Alors, moi, alors dans le chat, on me dit je suis marin, j'ai pensé à une bite d'amarrage, donc tu vois, c'est bon. Ah on oui, est, bien sûr, non, mais. Et pensez à quoi vous autres? Ouais, c'est vrai que c'est quoi la question? Vous avez pensé à quoi? Enfin, c'est comme si c'était la tienne, t'as fait une oui, mais c'est ma vie d'amarrage, c'est où je mets mon bateau, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Au poteau, au bord de la route. On vous a pas dit, mais le projet entre jeux sera dans un bateau, hein. Ouais, sur une péniche. Dans les eaux. C'est pas marrant. Le Supreme, c'est pour. Pour faire non, mais c'est pour l'évasion fiscale de Mathieu, c'est pour il se met sur les eaux internationales et tous ses jeux de plateau dessus, comme ça, ça voilà. Commence à faire. Tous ses all-in. Tous mes all-in. Non, mais en fait, c'est parce que du coup, il récupère sur le cargo directement qui vient livrer de Chine en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Faut le faire en 5G. Bah ouais, franchement, on peut le faire en 5G parce qu'après, on pourra faire les lives en 5G. Donc, En 5G. Nickel. Avec la puce dans le cerveau et tout ça, le Covid, tout ce qui va avec. Ça aussi, c'est bannissable, non, si on dit des conneries comme ça. Je suis ou... marin et j'ai pensé à ça. Là, tu vois, Pénélope, elle rigole pas du tout. Elle est à fond dans le. Alors là, mais attention, on a fait le débat geek et nerd la différence. Tu l'as fait exprès pour le débat de tout à l'heure ou. Pour le chat, qui est donc, on a fait un débat entre Jessica et nerd avant le live. Oh là là, c'est chaud, hein. D'en mettre que 3, ouais, j'en aurais mis 5 moi, mais s'il met pas les 5, c'est qu'il y a... Non, il y en a trop en fait à mettre. Ouais. Bon, alors vous commencez par quelqu'un, parce qu'en gros, il y en a un forcément les qui va être. Un contrôle de geek en général, hein. Mais. Je sais de quoi je parle. Alors attends. Moi, je commencerai par le plus évident en fait. Wolverine, c'est sûr que c'est du geek. Il y a tellement. En fait, j'ai pas envie de troller parce qu'il y a tellement de choses qui sont potentiellement vraies en fait. Ah, électricité aussi, tu vois, mais... Non, mais en vrai, je dis dans la pop... Non, mais je rejoins Marco. J'étais sûr que c'était électricité. Je voulais troller sur l'électricité, je fais, ouais, mais en fait, non, ça se trouve, c'est trop ça, faut que je me taise. Bah, moi, j'ai hésité aussi de foutre électricité dans les mots possibles. Non, puisque ça, on avait dit que c'était plus scientifique et nerd. Oui, oui, mais bon. Tout à l'heure, dans le débat. Oui, mais bon, c'est Vincent. Est-ce que le bonsaï, c'est pas un signe aussi de geekery? Enfin, Wolverine, on le balise déjà. Non, allez hop. Putain. Ah mais moi, faut que j'arrête de proposer, c'est pas possible. J'adore jouer contre Vincent. Merci. Je suis désolé les gars pour. Alors. Pour les mots qui restent, j'ai après, pas d'idée. On prendra le mien, on prendra un jeune monde. Hein. Merci à tous ceux qui font Twitch Prime. Là, j'ai vu qu'il y avait, parce que c'est le début du mois, donc qui dit nouveau mois. De rien, Pénélope. C'est notre ami Dandy. Allez, allez, Pélénope, on compte sur toi. C'est Dandy. Ouais, c'est le Dandy, ça. Oula. Il était connecté avec ce pseudo-là, je peux faire gaffe. Ah, mais là, ouais, Vincent, sérieux, non, Vincent, t'es obligé qu'il y avait Wolverine. Ah, mais il reste 2 mots, tu peux trouver un x2 quand même. Ouais, mais j'avais aucune idée de... Ah non, mais c'est pas pour Pénélope, moi. Ah, là, Pénélope. Il nous reste 2 mots, on va quand même pas faire un par un, ça serait trop nul. Banzai, tu mets. Ah, c'est une session incognito. Ok, ça marche, excuse-moi. Bah, déjà, si. D'accord. Je l'ai balancé direct en fait, il rentre en incognito, je l'ai balancé direct. Mais... Bien joué, Mathieu, bien joué. Ouais. Salut, Marc-André. C'était le boudoir. Ah bah.
Pénélope, non, mais Marc, si t'as bien d'aller dedans, tu peux partir sur un truc japonisant ou sur Zelda, y a pas de soucis. Alors, merci pour ton deuxième mois. Je suis désolé, hein, je prends le temps parce que c'est deux mots, je suis... Prends le temps, mais merci Tigurus. Marc-Andrea, c'est moi, dans le chat, hein. J'ai juste répondu à Obisky. Ouais, mais j'ai vu Marc-André, et j'ai pas pensé à Andrea, en fait. Ouais, bah parce que mon nom, ça commence par un D, donc Marc-Andrea D. Donc, je t'ai déjà dit bonjour plusieurs fois. Hein, de... Ouais, mais je le redis, je suis quelqu'un de très poli, tu sais. Ah oh là là. Putain. Ouais, le bonsaï, il fait chier, c'est ça, hein. Tous les mettre nature. Je vais essayer, je vais être obligé de le faire. Il était abonné dès le moment où il avait fait l'affiliation avant qu'il stream. Ouais. Parce que et sinon, le premier live que tu as fait avec l'affiliation, c'était le 6 février. Enfin, le 6 janvier. D'accord, okay. Ok. Trop risqué, 42. Il y a trop de possibilités de tomber sur beaucoup trop d'autres choses. Ouais. Nature 42. En 1, ouais, j'avoue que mais c'est 42, je pense qu'il est nature en 1 juste pour le bonsaï. En ah, fait. C'est ça, je crois qu'il est parti sur bonsaï. Bonsaï, t'as le bonsaï, donc t'es panique jacket. Franchement, hé, qu'est-ce que nature 1, bonsaï direct, on réfléchit même pas, c'est. Ah, je suis d'accord. Karate Kid. Il y a Marguerite, mais tant pis. Ouais, tant pis pour Marguerite, c'est bonsaï qui prendra. Il va devenir Marguerite, faut dire vache. Il y a déclenché un temps de live. Merci à Mélanie pour ton abonnement. Ah oui, merci Mélanie. Merci Mélanie pour l'abonnement pour deuxième mois. Twitch Prime, ça fait extrêmement plaisir. Ah, nous avons le train de la hype. C'est quoi ce truc? Je connais pas du tout. Alors, le train de la hype. Vas-y, Kyo. Ah, vous savez pas ce que c'est? Tu veux que j'explique ou... Ouais, vas-y, Kyo, vas-y, explique. Le train de la hype, c'est quand t'as trois personnes qui, dans un laps de temps restreint, alors j'ai plus la durée exacte, mais il me semble que c'est 10 minutes maximum, prennent un abonnement ou offrent un abonnement, ou alors s'ils donnent au moins 100 bits. Alors, si tu as réglé au plus bas, le c'est niveau pas, au plus en fait, bas. Tu dis trois personnes, mais ça dépend en fait de beaucoup. Ça dépend du paramètre de la chaîne, parce que genre sur les chaînes, des gros. Oui, parce qu'ils mettent au plus haut niveau. Mais si tu mets au niveau le plus bas, c'est trois personnes avec 100 bits minimum, ou un abonnement de niveau 1. Okay. Et en gros, durant le train d'AM, tous ceux qui prennent un abonnement ou qui dépensent des bits peuvent avoir des émoticônes particulières que nous, on a mis en amont. D'accord. Non, c'est les émotes du train d'AM qui sont définis. Ah, ok, d'accord. C'est ça. Ok. C'est pas toi ce que toi tu mets. Toujours des bits d'amarrage, exactement. Et toi, tu peux mettre des trucs pour ceux qui sont abonnés, mais le train d'AM, c'est des émotes particuliers qui sont ceux du train d'AM. Mon ami Ketal, on est en train de jouer pour la gagne, là. Ah et qui change tous les ans. Non, mais faites comme si on n'était pas là. Bon, bah, Nord, c'est sûr et certain. Je me permets de cliquer dessus, ça te va? Oui, vas-y. Nord, on est d'accord. Maintenant. En vrai, quand en fait, je fais par élimination. Et je trouve qu'électricité, en vrai, pourquoi tu mettrais... Bah, boussole, Lara Croft, elle en a une, c'est une exploratrice et tout. Tu vois, ça pourrait... Ah, putain, oui. Ah non, mais en vrai, de vrai, j'avais pas tilté à ça. Mais électricité, le problème, c'est qu'une boussole... Bah, elle marche pas l'électricité, la boussole en fait, elle a jamais marché l'électricité. Ah, c'est des modes de train. Non, mais en vrai. Oui, mais elle... là, tu peux aussi les modifier dans sa chaîne derrière, c'est pour ça. Ok. Non, mais alors attends, c'est pas. Ketal, reste avec moi. On va se concentrer sur la game. Ouais. Non, en vrai, j'ai envie de te dire, Lara Croft, c'est une bonne idée, je trouve, en vrai de vrai. Là, je réfléchis, je regarde un peu tout ce qu'il y a, mais. Bah, boussole, soupe, je vois pas. Homer Simpson non plus. James Bond non plus. Catwoman. Bah, si, James Bond, il sert d'une boussole. Non, mais d'accord. Non. Dans Golden Eyes, c'est ça que t'es en train de me dire, 64? Même pas. Non, mais dans plein de James Bond. Non. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, c'est pas un. Encore, enfin, tu vois, boussole, alors, enfin, je sais pas. Loup, non. Moi, je dis bougie. Bougie, parce qu'en fait, quand t'es un scout, non, mais quand t'es un scout, t'as besoin d'une boussole, d'une bougie, et voilà. C'est comme le petit mec qui va dans les bois pour camper, il prend sa petite soupe, sa boussole, son couteau, et sa bougie. Vas-y, mais fermez-la en fait. On clique sur un croft, puis on verra bien. S'il vous plaît, parce qu'en fait, Jack Sparrow, quand il se dérive, il a besoin de boire du rhum. J'ai fait un truc un peu tiré par les cheveux parce que je la tentais. On avait la marge. Ah non, mais il n'y a pas de soucis. Ah non, mais il n'y a aucun problème. Ah, mais c'est j'expliquerai bien. J'expliquerai mon. Mais bah, du coup, il te restera un fond 1 à faire après. Ça devrait j'expliquerai aller. J'expliquerai ma réflexion. Mais c'était... Je savais que c'était foutu.
C'était Rome. En fait, c'était Jack Sparrow. Quand il boit, c'est une boussole. Ok. Possible, hein. En vrai, de vrai, hein. Mais c'est vrai que Rome, c'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit. Ah, mais c'était pas mal, par contre. Non, c'est vrai qu'en vrai, c'était pas mal, mais... Ou alors, c'est peut-être cavalier, parce que comme t'as les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 4 points cardinaux... Les mecs, ils partent trop loin, quoi. Est-ce que c'est pas Banzai, en fait, vraiment? Est-ce que c'était pas ça qu'elle voulait nous dire? Est-ce qu'elle nous a dit, vas-y, je dis boussole 2, mais vas-y, je vous laisse... Qui vont mettre Banzai. Banzai. Bon, on est d'accord, quoi qu'elle mette, prochain mot, on met Banzai. Banzai, exactement, quoi qu'elle mette. Et là, elle fait des grands yeux en mode... Non. Ah là là, là. Bon, ils ont 4 mots à cabiner, on a de l'avance. De quoi? T'as dit quoi, pardon? J'ai pas le droit de parler, mais j'ai le droit de faire des signes ou pas? Non, t'as pas le droit. Alors, tu as juste le droit de prendre une corde et te pendre en direct. Ça nous fera plein de buzz en plus. Et ouais, et juste pour... Je me suis déjà serré de... Juste pour finir, pour Mathieu aussi, quand t'as un train de live qui est déclenché, t'as un... sur Twitch, sur la page principale, dans les différentes catégories, t'as une catégorie train de la hype et donc t'es mis en avant. Ah, ah oui, parce que nous on cherche le chiffre, nous on cherche les abonnés, on cherche bien sûr rentabilité. Nous, c'est... on veut un salaire derrière avec tout ça, quoi, avec les Twitch Prime, hein. Donc donner des bits, bon, des Twitch sens, Prime. Bon, il nous a promis déjà 10 all-in chacun, mais on attend toujours. Alors en fait, si tu veux, le problème c'est que ils sont bloqués à la frontière là, et dès que je les reçois. Parce que moi j'ai un mot qui fait la connexion pour ce qui reste maintenant. Maintenant je sais pas si vous aurez la même connexion. Sinon on ne va pas le faire. Ah, il faut tenter. Eh bah vas-y, teste. Ouais, mais t'as le temps de geek, vas-y. Ça veut dire que tu peux nous faire un truc en 4. Le temps de faire un truc en 4. T'as pas le choix, faut faire un truc au moins en 3. Jaune. Ouf. Jaune en 4. Le Banzai, de base direct. Déjà, il y a Omer. Vous avez pas le choix, faut faire en 4. Merci, il est jaune. L'électricité, c'est jaune. Oh, la marguerite, c'est pas vraiment jaune, mais bon, la marguerite, elle a un centre jaune. Ouais, et le bonsaï aussi, hein, il est jaune. Hein. Non, bah, le bonsaï, c'est un petit arbre. La couleur que tu veux, hein, c'est un petit arbre. Hein, donc, non, bah en vrai, la soupe, alors aussi, elle peut être jaune. Hein. Le loup jaune aussi, c'est connu. Bah, Homer Simpson, moi je mettrais. Ouais, déjà, on peut valider Homer. Moi je mettrais l'électricité aussi. On peut aussi valider électricité. Ouais. Voilà, bien. Bah, et bougie. Je t'en supplie. Ah, en fait, moi j'ai pensé aux bougies, tu sais, les bougies jaunes là, pour les insectes ou les mouches, là, les trucs comme ça. Là. Ouais, et puis même une bougie, le feu, ouais, c'est mais jeune. Le banzai aussi. Le banzai, ça marche. Arrête. On teste la bougie. On teste la bougie. Ouais, moi je testerais bien la bougie. Ouais. Ah putain. Ah yes. Merci. Yes. Marguerite. La marguerite, les gars, c'était sûr. C'est jaune et blanc. C'était la marguerite. Et ah, après, ouais, le dernier, c'était le banc, mais. Mais j'étais obligé. C'est blanc, les marguerites. Si, le centre de la marguerite, il est jaune. Le centre de la marguerite est jaune, je l'ai précisé, mais je pensais pas que ça pouvait être. Ah, oui, alors je me suis mal exprimé, la fleur n'est pas entièrement jaune, mais il y a du jaune dans la marguerite. Ouais, c'est les pétales. Moi, c'est pour ça que quand Mathieu, il a dit oui. Soupe, puis il a dit loup, et c'est pour ça que j'ai dit arrête de troller, parce que j'avais peur qu'il remonte une case plus haut et qu'il fasse marguerite. J'ai vu dans ton regard, genre ta gueule, je me suis dit ok, j'arrête. Non, bougie avec la boussole, il va falloir que tu m'expliques. J'y viens. Alors, boussole avec bougie pour deux raisons. La première, c'est que c'est quelque chose qui nous guide dans le noir, et voilà. Mmh. Et deuxièmement, c'est les trois mêmes premières lettres. Alors, ça, t'as pas le droit de. Si, t'as le droit, si c'est pas la même nature, si c'est pas la même. Si, t'as le droit. Bah, si, parce que sinon, je peux pas dire boussole pour bougie, alors que. Enfin, je peux pas dire oui, boussole. Mais si, t'as le droit, je te jure. Ah, tu reliras les règles. Si le mot a aucun rapport. Si le mot a aucun rapport dans la base. Vois, genre, t'as pas le droit de dire gauche pour dire c'est les 5 mots à gauche, mais si les mots ils ont 3 lettres en commun, tu peux tenter un truc comme ça. Normalement, non, c'est pas. Voilà. Mais en fait, gros, moi je faisais nord. Avec, et je mettais boussole pour bougie en pariant sur le fait que peut-être ils font de l'air. Mais pour moi, s'ils ont. Alors, attention, on a déjà eu ce débat. Moi, j'ai un codename, première édition. Paraît-il, ils ont revu les règles. Et ils sont beaucoup plus restrictifs sur ce genre de choses. Peut-être c'est le cas, mais moi, dans ma règle de base, il n'y avait pas. Bon, écoute, on refait la dernière parce que là, on est à 2-2. Donc, dernière partie, c'est moi qui rejoins l'espion. Au final, on change pas d'équipe, c'est ça? Ouais, on change pas d'équipe. Ah oui, on a dit Mathieu repart en espion, au secours. Mais si, Mathieu en espion, bah si. Allez, Mathieu espion, c'est parti les amis. Allez, je suis chaud patate. Attention, j'enlève les cartes. Univers geek.
plus. J'enlève les cartes Univers Geek parce que c'est que 20 mots Univers Geek et c'est pour ça qu'ils revenaient très souvent. Ok, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, puis du coup, c'est chiant, ça tourne en rond. Vas-y, vas-y. Par contre, faut valider la prédiction. Oui, c'était validé et du coup. Okay, c'est bon. Oui, c'est validé. Alors, les points 20, 30 vont à Mélanie et un autre. C'est écrit. Ouais, et l'autre, c'est Jack. C'est 42 The Jack de mémoire. Ok. Et Julien l'a annoncé dans le chat. Donc. On peut continuer, les amis. C'est moi l'espion, je vais tout donner, les gars. Je vais vous faire un mot en 8. Ça y est, je sens que tu l'as. Ça y est, je sens que tu y es là. Ah, je suis chaud. Maintenant, t'es dans le. Il faut que les autres vous enlevez du chat. On est d'accord que c'est pas toujours les bleus qui commencent en premier, normalement. Non, non, c'est pas toujours les bleus, normalement. Mais là, ouais. On a eu une sacrée. Non, il y a eu une partie où les rouges ont commencé, il me semble. Moi, je me souviens plus, j'avoue. Ok. Mon dieu, Mathieu nous fait deviner le mot. Ah, il y a une nouvelle prédiction, mais on peut toujours pas parier nos points de chaîne. Hein. Contre 150 points de chaîne, il a augmenté le... Ouais, il a augmenté, ouais. Il a augmenté la mise. Et les gens, tout de suite, oui, là, alors. Mathieu, en espion, j'hésite un peu et tout. Tu vas avoir une sacrée réputation entre dimanche et aujourd'hui. J'attends de voir jeudi à Hearthstone, ça va être génial. Je vais mourir d'ici là. D'ailleurs, les gens, n'hésitez pas à venir jeudi. On a un petit live Hearthstone Champ de Bataille. Et si je ne me trompe pas, demain, il y a la Ludic Squad. Ouais, il y a le Ludic Squad demain. Ouais, à 21h. 21h avec le mode. Thème de joueur, c'est ça? Spécial jeu à deux, ouais. Ouais, jeu à deux, ouais. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Putain, j'ai pas pu voter, je suis triste. Oh, putain. Ouais, on peut pas voter pour mettre des points de chaîne vu qu'on si, est... moi je peux, moi j'ai pas le statut modo. Bon, ah, voilà, je suis clairement. Les amis, je suis. C'est dur, hein, en vrai de vrai. Ouais, c'est dur, mais franchement. Ouais, franchement, c'est dur. En train d'être dur, hein. Ouais, il était chaud il y a 2 secondes, mais là c'est dur. Ah ouais, c'est archi dur. Non, mais il nous a fait, vas-y, je le fais en 8 et tout. Moi j'attends le mot en 8. Hein. J'essaye de trouver un mot en beaucoup, mais c'est compliqué. Non, mais au début, c'est toujours dur. Bah moi je trouve que c'est mais comme il y a plus de chances de trouver des liens entre tes mots, mais c'est aussi le moment où il y a plus de chances que tu partes à côté, quoi. Mais regardez, tout à l'heure j'ai fait que des mots en deux quasiment et on a failli gagner la game. Hein. Juste l'électricité statique, ça peut passer, quoi, mais. Putain. Non mais je vais pleurer ce soir, hein, là j'affiche une bonne figure. Vous voyez le mec Godzilla, il fait l'électricité avec le masque, il est content là, bah voilà, c'est moi. 79% pensent que c'est les bleus qui vont gagner. Oh putain. Mathieu, on a confiance en toi apparemment. Ça me rappelle un sondage, Mathieu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'hésite, c'est compliqué. Alors franchement les amis, j'ai envie de tenter un truc. J'ai envie de tenter un truc. Bah vas-y, tente-le en 8. Hein. Tu mets 42 en 8 et il se démerde. Là c'est surtout que c'est Marco de jouer. Moi je vais tester un truc, c'est pas le top du top, mais au moins... Bon, je teste. Alors, tout à l'heure, il y avait planche. J'étais là, tout à l'heure, il y avait concert aussi, ça marche bien. Ah, concert, c'était le mot noir tout à l'heure, donc. Là, ça joue sérieux, là, on n'ose pas. Ah putain, ouais. Non, non. Là, c'est la dernière, c'est-à-dire que celui qui gagne. Ouais. Moi, je me suis rendu compte que quand je parlais, c'était plutôt nuisible, donc. T'as vu, surtout quand t'es en train de faire l'espion. Et que les gens balancent des trucs au pif, tu vois des fois apparaître sur d'autres bons mots que les gens n'avaient pas pensé, t'es là. Ouais, ouais, comme tout à l'heure avec service. Merci. Alors par contre, bah, pion et dame, je suis à peu près sûr.
après, bon, bah, je propose qu'on valide déjà pion. Sur les jeux de plateau, vous êtes presque tous barbus. Hein. Ouais, ouais, pion et dame, je suis d'accord. C'est pas très gentil pour Pénélope, ça. J'ai dit presque tous. Bon, on valide dame. Allez, ok. Bon, et après, plateau. Bah, le pont, ça peut marcher, mais est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Tu prends un plateau et tu plies comme ça, tu le tords, ça fait un arc. D'accord, ok. Et puis lors d'un mariage, la pièce montée arrive sur un plateau. Il va trop loin. Bah, t'es d'accord pour pont ou pas? C'est juste que j'essaie de troller, mais sans non plus... Parce qu'après, si tu pars loin, tu peux te dire que la feuille, c'est un plateau, mais c'est un plateau... Enfin, voilà. Mais, Ouais, vas-y, vas-y, allez, vas-y, pour pont. Pont, ok. Ouais. Parce que t'as le tablier, le plateau du pont, quoi, mais bon. Ils sont bons, ils sont bons. Ah, franchement, le... Moi, je crois que tu as eu de la chance. Moi, je suis... Voilà, exactement. Moi, je suis sûr que Ponce avait rien à voir du tout. Et juste, ils ont eu grave de la chance que c'était bleu. Moi, j'avais une autre idée. Moi, j'en avais une ou deux autres, mais c'était un peu tiré par les cheveux. Bah, vas-y. Et Mathieu, fais-nous rêver. Mathieu, fais-nous rêver. Il va nous mettre un joli 4. On va tomber sur le mot noir. Permis. Bah, je m'appellerai Marjo, j'aurais associé rayon à plateau. Ouais, ça à la limite, mais. Merci, Mary Geek. La sortie. Bah, dans la même idée, mais bon, non. Et pourquoi permis, quoi, tu vois? Bah, c'était papier. C'est sur une feuille. Mais avant, c'était sur une feuille. On est d'accord que le permis, c'est plutôt rouge comme couleur, en fait, le permis. Rose. Rose, il est rose, le permis. Mais bon, Rose. C'est Mathieu. Non, alors, sérieux, attends, à un moment donné. Il est dyslexique, il n'a pas daltonien. Ouais, c'est ça, je veux bien avoir toutes les tares, mais... Le ballon, tu souffles dans le ballon quand on t'arrête en voiture. Non, bon, d'accord. Non, mais en fait, c'est vraiment rien de simple. Y a Rose. Ah mais oui, y a Rose. Ah mais merde. Et puis après quand tu bois de la coupe et du champagne, tu perds ton temps. Il devait plus. Je pense bon, qu'il avait envie. On garde Rose. Je pense qu'on peut garder Rose. Ah, ah Rose, j'avais même pas. C'est pas mal. Papier, ok à la limite. Mais police, franchement. Ah tu montes ton permis à la police. Ouais, tu montes à plein de gens en vrai. Si t'enlèves police et que t'as rose et papier, tu dis PQ. Tu dis pas permis. Ouais, mais c'est parce que lui, quand tu lui dis police, il pense au groupe. Tu vois? Alors que là, il a dit permis. C'est que quelque chose lui a fait penser au permis. Moi, je pense que c'est police. I send a message. Moi, je pense que Sylvain aurait dit toilette. Il aurait peut-être dû dire toilette d'ailleurs. Ça marchait aussi, toilette. On disait rose, papier et police. Bon, on peut déjà retourner papier, est-ce que ça te va pour papier? Moi ça me va pas. Après, faut un permis pour. Si papier est bon, rose, on valide aussi. Ok. Allez, on rose, fait, valide. Ouais, ouais. Et là c'était rouge et c'était vraiment planté. Va sur police. Je suis confiante. Ce qui m'embête, c'est que je trouve ça nul, mais je trouve rien de mieux. Non, mais c'est sûr, c'est ça qui est mieux. Il est gentil. Il classe son pote de sa même équipe. Dans l'esprit de Mathieu. Non mais s'il n'y avait il pas eu police, et papier, il aurait pas pensé à permis. Et il a mis 3 parce que le troisième mot, c'est un troll. C'est pas de feuille en fait, hein, parce que ça va avec papier. Alors, je vais prendre la liberté de cliquer moi-même. Vas-y, clique. Je vais cliquer. Bien voilà. Joué. Je suis assez fier de moi. Mais non, il y aurait eu bon jeu parce que moi, j'aurais pas trouvé ce lien là. C'est surtout le rose en fait, hein, c'est-à-dire que... C'est important de bien regarder tous les coins de l'écran. Ah ouais, non, mais je veux bien avoir toutes les tares, mais putain, pas ça, quoi. C'est pas rouge, c'est rose. Bon, c'est magnifique qu'on clique rouge. Celui-là, il va faire rigoler. J'annonce. S'il y avait rose, on dirait rose. Ouais, c'est vrai. J'annonce que celui-là, il va faire rigoler. Alors, c'est pas très gentil déjà. Je le prends très personnellement. Et je te jure que c'est une histoire de sac poubelle, je vais venir chez toi. Mais je vois ce que t'as mis en plus, t'es terrible. Je pense avoir des rêves.
Ah, peut-être pas sûr, ceci dit. Maintenant que je regarde d'autres mots, ça dépend. Salut à tout le monde qui nous rejoint. Bonsoir. J'ai vu qu'on était quand même beaucoup depuis tout à l'heure. On est 23. Donc merci à tous ceux qui nous suivent. Pour la dernière partie qui va définir qui de l'équipe rouge ou l'équipe bleue a été meilleur ce soir. Ouais, je suis d'accord, Kyo, avec les trois. On est sur quoi? On est sur une égalité, là? On est sur une égalité parce qu'ils commencent, ils ont un mot de plus. Donc pour l'instant, on est pareil. Non, mais sur l'ensemble des parties de la oui, journée. On a 2-2. Ah oui, on est à 2-2. Mm. Donc là, c'est là sachant qu'on avait la dernière, celle-là. Oui, qu'on avait un handicap, c'était moi. Et on valide l'histoire, Kyo? Plutôt, ouais, je sais pas, ou rouge, ou... Je sais pas. En fait, Grégory, pire indice. Bah ouais, non mais c'est... Bah arrête, il est trop bien cet indice. Réfléchis, c'est... Ils n'ont pas trop bien avec le prénom Grégory, tu veux qu'on en parle? Il a pas été découpé en morceaux, Grégory. Moi, je te dis juste que dans le chat, ils disent que c'est le top. Salut Chrysaé, il y a Chrysaé qui est sur le chat. Mais le pire, c'est que j'ai vraiment un esprit tordu et j'essaye de trouver les mots qui sont en lien avec le petit Grégory. Bah, je te dis, tu peux peut-être avoir... Ça va évidemment qu'il faut chercher ça, je pense. Un troll? Est-ce que c'est un troll qui l'a mis le mot? J'ai envie de dire gel. Bah, oh, ouais, j'ai envie de mettre troll aujourd'hui, en fait. On clique sur rouge? Non? Personne n'a entendu ma vanne dégueulasse. Ah non, j'ai pas entendu, il y avait trop de bruit derrière, pardon. Non, j'ai dit gel. Gel? Gel hydroalcoolique? J'ai non. Pas la ref entre petit Grégory et gel. Bon, c'est pas grave. Ah, parce qu'il a gelé dehors, non? Non, c'est pas grave. Je sais pas. Bah, Vincent, rouge? Rouge. Bah, non, c'était blanc. C'est mieux que rouge. Ouais, devait y avoir troll dedans. Par contre, je vois pas le rapport avec Grégory et rouge, les gars. Hein, le sang? Ah, moi non plus, hein. Il avait pas il un avait pull une, Il était pas roux. Est-ce que le chat poubelle était rouge, hein? Nature, putain. Pas nature, Mathieu, pas nature. Il a osé. Il y a Banzai. Alors, allez, on y va, c'est parti. Oh la vache, pas nature, on a dit. Bon, on va dire que feuilles et champignons, c'est quand même plus proche. Mais méduse, c'est... Bon, méduse c'est il aurait pas dit... Pas mal, hein, parce que moi, noyau, j'y crois pas, mais méduse, j'y crois déjà plus. Non, mais noyau, c'était pour le faire chier. Non, mais alors, déjà, champignon, de... s'il l'a raté, on peut le tuer. Donc, on peut commencer par champignon. Bah, et vous avez bien raté Zelda tout à l'heure. Hein. Non, parce que moi, j'étais pas d'accord avec Zelda. Non, mais... J'ai utilisé le mot interdit. Et ensuite, entre feuille et méduse... Mathieu, tu fais chier. Enfin, bah, prends le mariage, c'est la nature, c'est le mariage. La terre, mais du coup, je sais plus. La feuille de l'arbre, quoi. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je vois bien le rapport entre feuille et nature. Mais entre et la feuille et la méduse, lequel est le plus nature Ah, et ta histoire, hein, histoire naturelle. Nature, hein. C'est vraiment, faut arrêter avec ce mot. Parce que avec... tout est naturel. Ouais, avec ce mot, nature. J'aurais dû choisir un autre. Ah non, il y a des choses qui sont pas naturelles. Alors, la raison pour laquelle quelqu'un d'autre que Mathieu aurait mis nature, c'est pour dire vraiment avec méduse, parce que sinon il aurait mis forêt pour faire deviner champignons et feuilles. Voilà, exactement. Mais par exemple, il y a cette possibilité-là. Et mais, avec champignons et méduse, mais on joue avec Mathieu, et est-ce qu'il aurait pensé à ça? Là, je vois sa tête. Mais non, alors, mais vous me faites passer pour un idiot de service depuis tout à l'heure. Alors... Je suis dégoûté. Alors, Pénélope, ça veut dire que si on clique sur feuille, on prend Mathieu pour un idiot. Non, c'est bah pas non, ça que je dis. Mais non, c'est pas ça que je... Bah, c'est pas grave, faites comme vous voulez, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais... Bref, j'ai rien à droit dire de toute façon, donc non, mais vas-y. Ton micro, Mathieu. Ouais. Je crois qu'on a... Et rage de sang avec le micro coupé, c'est plus marrant. Alors, je propose un Shifumi pour reprendre le principe de l'autre. Ah, toi, je suis plus pour feuille, moi, je suis plus pour méduse. Est-ce que ça te va? Okay, donc, ça veut dire que tu joues pas la feuille. Il y a le puits aussi ou ça? Non, il n'y a pas puits. Ah. Non, il n'y a pas le puits. Pierre, feuille, ciseaux. J'ai fait la feuille. Parce que moi, je crois que c'est la feuille. En fait, du coup, on a fait égalité. On a bah oui, parce que tu t'es dit que j'allais faire Pierre. Exactement. Bah, on est pas dans la merde. Parce que c'est ce que Marco, il a dit tout à l'heure. Pierre, feuille. Ah, oui, mais là, comme je l'ai dit, ça marche plus.
Et voilà, t'as fait la pierre en toute logique, et du coup, j'ai fait le ciseau, t'as gagné. Le man game, j'ai dit pierre, donc t'allais pas penser à pierre, tu vas dire. Bien sûr. Tu te dis, je vais faire la feuille. Bon, bah, je clique sur Méduse. Je me suis dit. Et merde. Ah, ça, c'est bon. Bon, ce et là, il se dit, pourquoi j'ai pas dit forêt. Mais, oui. Tu vois, le problème, c'est que j'essaie d'avoir confiance en toi. Mais non, mais. Non, parce que dans la forêt, il y avait les trolls. Non, mais en aucun cas, en aucun cas, j'ai pensé à la méduse, en fait. Enfin, pour moi, quand vous cliquez sur champignon, je me suis dit, ok, ils ont compris ma logique. Et je comprends pas pourquoi t'es parti. Mais faut pas le dire, hein, parce que. Oui, non, mais excuse-moi, oui. Mais parce que nous, on prend la nature, et comme on n'a pas ton fil d'esprit. Non, mais tu leur valides. Après, je suis d'accord que normalement, on n'est pas censé dire. Ok, ouais, autant pour moi, j'ai rien. Mais bon, clairement, au prochain mot qu'on a trouvé les bons trucs, clairement, Feuille, il va y passer. Hein. C'est voilà, plus la peine de nous faire deviner Feuille. Feuille, on tombera dessus un moment. Non, attends. Feuille, on l'a. Et là, il remet nature. Il s'est pas rendu compte que noyau, ça collait. C'est hyper dangereux, les mots hyper généraux. Non, mais voilà. Dans lesquels on peut mettre. Non, mais je suis d'accord. J'ai merdé. C'est pas grave. Mais tu l'avais déjà fait, tu vois. C'est pas que t'as merdé, c'est juste que t'as peu joué au jeu aussi. Bon, ces deux-là, je suis sûr. Rayon tu n'es pas mauvais, tu es inexpérimenté, c'est pas pareil. C'est un peu l'équivalent du personnage tout à l'heure de Vincent. Ouais, c'est ça. Un peu là. Ouais. Coupe. Et Ouais, je pensais à Coupe aussi. C'est quand tu fais les coupes, mais enfin ok. Mais je sens trop, sans grande conviction. Mais bah, déjà rayon c'est sûr. Enfin s'il n'y a pas rayon, oui. Moi je valide rayon. Vas-y. Je pense que c'était le mot pour plateau personnellement. Bah, j'y ai pensé, plateau rayon avec le vélo aussi, mais c'était plus éloigné, tu vois. Je valide arc. Bah, c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs, je t'ai dit avec le côté marron. Ouais, plateau, je vois pas le rapport. De tous quoi, les cerfs, ils ont un noyau. Le tablier, c'est un plateau, sur le pont. Au football, la géométrie, c'est vachement important. Géométrie. Du coup, on part sur coupe. Qui allait peut-être aussi avec le Grégory, hein, s'il a été découpé. Non, il a pas été découpé. Bon, allez, je valide coupe. Ouais, c'est bien joué. Bien joué, les gars. On met troll. Allez, on est dans la mousse, là. Tu veux qu'on mette troll? Ouais, non, mais j'y crois pas. Enfin, moi, je disais ça pour la blague. C'est... En vrai, il nous reste trois mots parce qu'on a un mot qu'on connaît. Troll. Oui, donc occupe-toi des trois qu'on connaît. Je pense qu'il faut mieux qu'on passe. Il en reste deux. Je sais pas pourquoi, Mathieu, je sens que tu vas faire un coup de génie. On a confiance en toi. Le trait, il passe cette confiance. Oui. Je veux pas être la passion, mais. Un mot en un, Mathieu. C'est pas qu'on va gagner, mais... Il met un mot en 1 et il met 6 os pour feuille, tu sais. Il y a pas 4 de... Non. Il y a une licence au foot. Bon, les gars, bien joué, en tout cas. Bah, une licence d'histoire. Je mettais feuille, mais c'est une licence d'histoire. Oui, mais feuille, on met quand même. T'as le champagne avec licence 4. Oui, on le met. Merci pour le follow. Allez. Merci Chrysaé. Ouais, Chrysaé. Regarde un peu le reste, mais. Les cantines, les copines. Je te propose qu'on peut mettre feuille déjà, comme ça on la valide, on est tranquille. Ah, mais toi t'es fou, toi tu commences par la fin. Ah, ouais, mais okay, vas-y. Si c'était pas voilà. Ça, bon, c'est ça. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Normalement, tu es censé remplir le contrat avant. Une licence d'histoire ou une licence de football, pour moi, on est en sécurité. On est en sécurité. Il a joué la sécurité, on est bien. On met football en premier ? Le mariage, quelque part, c'est une licence, non ? On met football en premier, qu'est-ce qu'on pense ? Ah oui, il y a une majorité de garçons, allons-y. Un Pédélope ? Oui, moi ça me va. Vous m'entendez plus ou... Si, on t'entend. Et histoire, ouais, ça colle, et je vois pas d'autre chose de toute façon, donc bah go histoire. Oh, il est fort ce Mathieu. Voilà, il est fort, là il les fort. Met au pied du mur. Ah, là, t'as oui, pas mais... trop le choix là. Ouais, ça va être chaud là, punaise. Ah, c'est bien. Mathieu, il avait des informations comme quoi ça allait être chaud. Et ça, c'est bien, il a joué la sécurité.
Faut qu'on se plante pour le dernier mot. C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Se planter sur un foin 1, c'est quand même dur. Hein. Ouais, mais alors Grégory, c'était peut-être un des mots qu'on a trouvé après, du coup. Oh, j'ai trouvé. On peut peut-être gagner. Pour la petite anecdote, pendant que Marco cherche, sachez que j'ai donc le prénom Grégory et qu'en fait, à l'hôpital, j'étais le premier Grégory depuis l'affaire du petit Grégory. Voilà. Belle anecdote, en tout cas. Merci. En fait, tout le monde a rappelé arrêté d'appeler ses enfants Grégory. C'est vrai ? Mais non. À l'école, quand j'étais en première, Grégory. Bah, je sais pas quel âge t'as après, mais moi, c'est vrai que des Grégory plus vieux que moi, j'en rencontre très très peu. Plus jeune, oui, mais plus vieux, c'est très rare. On est avant l'affaire. Bah, champagne, ouais, du coup. Raisin. Raisin, et donc, du coup, mariage. Raisin, barbe, raisin, mariage. Ouais, ouais. Raisin, troll, raisin, élastique, château, gel, noyau. Je l'ai, Marco. Alors, mais en plus, ils se souviennent des trucs d'avant. J'hésite entre deux, Kyo. J'hésite entre mariage et château. Château ? Ah ouais, moi j'étais plus sur. Mais j'étais sur le lien avec le champagne, hein, pas avec le raisin du tout. Moi j'étais sur le. Si tu pars sur le côté fruit, j'ai un autre mot, mais. Ah bah vas-y. Vas-y, dis-le. C'est ma noyau, mais après j'avoue que champagne après mais parce qu'en fait toi c'est ta champagne mariage, je pense que t'avais un mot mieux que raisin pour associer les deux. Champagne. Par contre château, ouais, ça colle plutôt bien aussi. Bon, déjà on valide champagne. Ouais, on valide champagne. Et là c'est le moment décisif de la partie. Hein, il aurait mis pomme sinon. Est-ce que ça départage toute la soirée là ? Oui. Élastique. Ouais, barbe. Ça départage tout. Alors c'est les gars, réfléchissez la soirée, bien. Hein. Prenez le temps, réfléchissez bien. Plus. Et Marco, si alors, jamais j'ai prenez... bien le mot, le dernier mot qui manque, tu es vraiment quelqu'un de terrible. Moi, je te dis juste réfléchis, non, prends le Marco, temps. Tu dis rappelle-toi rien. Des autres trucs tu que dis j'ai rien, écrit. Tu dis rien. Mais en fait, le problème, c'est que théoriquement, le seul qu'on a où il nous en manque un, c'est Grégory. Justement, réfléchis. Mais arrête de parler, Marco, là, par contre. Bah, pour moi, ni noyau ni château vont avec Grégory, mais. J'entends plus rien. Si jamais sur géométrie on avait pris un mot qui était pas bon. Moi et Pénélope, je pense que moi et Pénélope on a le dernier et on veut surtout pas troller parce que. Si jamais sur géométrie il y avait un mot qui allait pas, entre les deux ça serait plus au noyau. Grégory, j'en ai aucune idée. Enfin, si Grégory ça serait château, mais. Et plateau. Plateau, je pense pas. Je pense qu'on a les tout pour plateau. Mais. Alors là, moi, je ferai un plouf-plouf. Je ferai un plouf-plouf entre les deux, moi. Ça réfléchit. Tu peux pas faire Tifoumi avec Vincent, il a pas de caméra. Bah, je gagne, du coup, non. L'inverse, c'est lui qui dit, bah non, moi, j'ai fait ça, j'ai gagné. Tifoumi à la bague. Non, moi, je fais Spock, du coup, j'ai gagné. Ah, mais attention, dans ce cas-là, il y a aussi le lézard. Et le lézard... Non, passez pas la main. Ils mettent dans le chat qu'il faut passer la main, passe pas la main, il en reste un mot. Ouais, non, si on passe, on est perdu. Oui, non, faut pas passer la main. Hein. Là, c'est clair, c'est. Mieux c'est... vaut tenter le troll plutôt que. Non, mais ils ont peut-être envie qu'on gagne aussi. Laissez-les tranquilles. Ah ouais ? Non, bah non, mais j'ai pas fait la prédiction, du coup, j'ai pas d'intérêt. Euh. 42 The Jack a fait une prédiction rouge, donc oui, je pense que c'était pour ça. Ouais, et tu dis à lui. Est-ce qu'il comprend les. En fait, est-ce qu'il voit le raisin avec le lien avec le champagne pour le château Zirius, ou est-ce que pour info, il voit pas le avec les graines, enfin les pépins de raisin qui sont quelque part, c'est le noyau du raisin. Mais qu'est-ce que t'en penses, Vincent? Je suis perdu. Je suis perdu parce qu'effectivement, le encore une fois, hein, je reviens moi sur la logique champagne château. Le château, c'est les vignes. Ouais, mais c'est plus du vin, du coup, non ? Enfin, je sais pas. Oui, mais le champagne est considéré comme du vin.
C'est oui, mais c'est, pour ça, oui, mais c'est pour ça que je te dis que t'aurais peut-être mis plus 20 que raisin. 20 pour raisin, ouais. Ouais. Ouais, mais 20 à ballon aussi. Et ballon, c'est le ballon. Ah, le ouais, 20, j'aurais vu ballon aussi. Putain, c'est chiant qu'on puisse rien dire. Je suis suspendu. Après, si tu reprends l'affaire du petit Grégory, noyau noyé, tu vois, on est très proche. Ah, c'était ça. Bah du coup... Allez, vas-y, on part sur noyau, de toute façon, faut choisir un truc. Vas-y, clique. Et ils l'ont eu, j'ai joué Vincent pour le noyau noyé, c'était trop sûr. Bien sûr. Ouais, moi je savais pas qu'il avait été noyé. Ah putain. Et si, il alors juste pour info, avec Grégory Le Marchal, ça allait très bien avec le château aussi. Attends, alors en fait, je vais vous expliquer un peu les trucs, et c'est vrai que les mots ça allait un peu loin, mais j'avais pas vu autant de logique que vous. Mais pour moi, Grégory, c'était petit Grégory, et en fait petit Grégory, c'est un cocktail où tu mets du champagne, une coupe. Et tu mets en fait une olive et en fait noyau pour la olive. En fait, et du coup, c'était ça les trois. Moi, je connaissais pas du tout ce cocktail. Ouais. Je connaissais pas du tout le cocktail, par contre. Et j'ai bien moi, j'étais clairement parti sur noyau. C'était quelqu'un d'horrible. Bah là, moi, je suis dégoûté avec. Bah oui, mais en fait, c'est pour ça qu'on met l'olive dans le. Non, le cocktail. On a perdu. Donc il y avait ça, et après dans géométrie, en fait vous avez mis tranche, mais moi en fait j'avais mis noyau dans géométrie. Ah tu vois, je t'ai dit dans géométrie ça peut être noyau, mais c'est un petit peu plus. Moi j'avais trollé pour noyau en plus. On a mis coupe, pas tranche, on a mis coupe. Parce qu'en géométrie il n'y a pas des noyaux, hein. il y a des centres, mais il n'y a pas de noyau. Ouais, en fait le noyau c'est plus dans les. C'est des mathématiques ouais, pures. Ouais. Mais, bah, en ouais, fait, mais bon, géométrie, tu vois, moi, c'est en vrai, géométrie, mathématiques. Je suis dégoûté parce que le mot gel, en fait, j'ai pas pu l'associer. Tu vois, licence, ça allait super bien avec histoire et la nature. Bon, j'aurais dû mettre forêt, j'avoue, pour champignons et feuilles. Mais vous l'avez retrouvé derrière. Mais même si vous n'étiez pas. En fait, même si vous n'étiez pas planté. Non, mais même si vous n'étiez pas planté, j'aurais mis licence après. Tout ça, ça tient finalement qu'à un Shifumi, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais même, de toute façon, même s'ils avaient, si t'avais mis feuille au départ, j'aurais mis licence, t'aurais mis les deux, et après, j'aurais été bloqué avec gel, et ça aurait été exactement en fait, la même chose. Oui, ce qui explique, c'est que ça aurait rien changé, parce qu'on aurait trouvé le même nombre de mots au final. C'est ça. En fait, le gel, j'étais obligé de le finir en dernier, je voulais mettre Covid. Au lieu de faire 2 et 2, on a fait 1 et 3, au final, ça aurait pas grand chose. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais mis cheveux pour le gel. Ah, moi, j'aurais mis Covid, je sais pas pourquoi. Peut-être l'actualité du moment qui fait que. Oui, Covid gel, on aurait trouvé. Mais ouais, dommage. Bah non, franchement, bien joué, c'est une belle partie. Et les puis le troll, il était noir, les gars. J'ai bien eu peur que vous puissiez le troll. Hein. Mathieu avait des mots en tête toute la soirée. Moi, ce soir, c'était troll. Sur cette partie, je voulais vraiment cliquer sur troll. Ah oh là, putain. Bon, bah écoutez, on a et perdu. Tout à l'heure, Pénélope, tu disais gel pour Grégory. Non, mais c'était dégueulasse. Ne revenons pas là-dessus. Je trouve que c'est une bonne anecdote, mais il ne faut pas revenir. Écoutez, vous n'avez pas tous des mots dégueulasses dans la tête, c'est pas mon problème. Visiblement, je suis la plus dégueulasse de cette histoire, et c'est très bien comme ça que nous là. En tout cas, merci à tous pour cette soirée quand même, c'était vraiment très très cool. J'espère que ça vous a plu. Merci pour l'invitation. J'espère que ça a plu au chat. Ouais, de ouf. De ouf. Et du coup, j'annonce à l'avance, mais la prochaine soirée un peu rigolote comme ça qu'on pourra faire, sûrement, à part samedi le Among Us, ça sera une soirée sur le Gartic Fun, qui est la version internet du Esquissé, qui est sorti en jeu de plateau, donc. Et qui est très, très cool. Donc, il faut absolument qu'on en fasse un, je pense, on va vraiment beaucoup rire. On en a fait un mémorable avec Kyo. J'avais mal partout, tellement je riais aussi. C'était donc voilà, dans 2 semaines, un petit. Et il y a aussi Among Us qui se fait samedi. Ouais, c'est vrai. Among Us. C'est clair. J'espère pouvoir participer, c'est pas encore sur de mon côté, mais je crois que vous êtes déjà 10 en plus. Non, je crois pas. On verra. Juste. Mais voilà, merci à tous. Merci à toi, du coup. Non, je voulais juste te dire que Julien voulait lancer un raid avant de partir. Je sais pas si Vianney d'entre joueurs il est dispo ou pas, s'il est encore live ou pas, l'ami de Vianney. Si on aura fait un petit.
sûr, mais regarde, je suis pas sûr, mais on peut regarder au cas où. C'est pas moi qui ai l'accès là du tout au truc, donc je sais pas. Ou sinon, on a notre ami que j'aime bien aller de temps en temps, qui s'appelle notre ami Cosmos, que j'aime bien, un petit gamer, qui est assez sympa. Ou sinon, si vous avez un autre sous la liste là, vous pouvez. S'il y a pas Vianney, on part sur autre chose. C'est quoi le nom de la chaîne de Vianney? C'est Entre Joueurs. Non, ah, il a fini. Non, il a fini. Ah non, 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 attends, il a été. Bah, si, si, il était en live ce soir parce qu'il est en live le mardi, mais. Mais... joueur. Non, je crois pas qu'il soit en. Ah, c'est fini. C'est fini. Non, 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 il est plus en live. Bon, bah là, et l'autre, c'était quoi? Et l'autre, c'était Cosmos. C-A-U. C-A-U-S. Sinon, ce qui est cool à faire en général, moi, je trouve, c'est d'aller voir, de chercher dans une catégorie genre board game, peut-être, vu qu'on fait du board game, et de chercher des gens qui ont 1 ou 0 spectateurs. Il est pas en live non plus, mais ouais. C'est... Ah oui! C'est pas mal ce que tu dis. Dans le board game, des gens qui ont très peu de spectateurs, comme ça, ça fait de la visibilité et peut-être qu'on va découvrir des gens cool aussi. Donc j'aime bien faire ça en général. C'est vrai. Bah, Julien, tu sais quoi? Tu vas dans catégorie board game et tu prends celui qui a le. Je sais pas, celui qui semble le moins. Quelqu'un qui a l'air d'avoir fait un truc correct mais qui a juste pas de spectateurs. C'est ça. Le moins moche, quoi. Voilà. Si ça peut être une fille aussi assez jolie, n'hésite surtout pas. C'est vrai. Alors là, il y a ma femme qui me regarde, je me suis en train de me faire défoncer. Hop là. Il y a. D'ailleurs, t'as dit à ta femme ta dépense de. Non, non, je. Chut, ne dis pas. Bah, quoi qu'elle. Voilà, elle reçoit. It's not you. On pourra stopper ça et donc partir vers d'autres horizons. Exactement. Et en tout cas, Connaib, super sympa d'y repenser, Ketal. C'était super cool. Merci à Suzy pour le follow. Yes, merci beaucoup. Franchement, vous étiez beaucoup ce soir, ça fait extrêmement plaisir, quoi. Et bah voilà, nous avons arrêté le silence. Du coup, on vous dit au revoir à tous, encore merci d'avoir tous été présents, c'était très très cool. Merci aux gens d'entre jeux et merci au chat. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Ouais. À demain, techniquement. Ciao, ciao. À demain pour l'entre. À demain. Pour les Discord. Dans le Discord, ciao, ciao.